Bonsoir, déjà. Moi, je m'appelle Nelson, je suis lead développeur dans une boîte qui s'appelle Miracle. C'est une boîte qui est basée à Paris initialement, et on va ouvrir des bureaux à Bordeaux. Donc, l'idée de ce soir, c'est aussi un peu de venir vous rencontrer et de rencontrer un peu le monde Java ici à Bordeaux, pour vous parler d'un sujet qu'on a mis en place côté Miracle, qui sont les montées de version sans interruption de service. Pour vous introduire tout ça, je vais vous présenter rapidement la boîte, vous expliquer pourquoi on en est arrivé à devoir faire ce genre de choses, quelles ont été les problématiques qu'on a rencontrées, et essayer de vous faire un peu un retour d'expérience sur globalement tous les murs qu'on s'est pris, pour essayer de faire en sorte que vous ne les preniez pas si jamais vous voulez faire la même chose. J'espère que vous allez apprendre quelques trucs pour ceux qui ont déjà été confrontés à ces problématiques-là. Donc globalement, qui on est? Nous, on est un éditeur logiciel, on édite une solution e-commerce, une solution de place de marché e-commerce. Qu'on appelle aussi marketplace. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde le terme. Je pense que vous avez tous déjà acheté sur Amazon. En fait, quand vous achetez un produit sur Amazon, vous allez soit acheter un produit qui est vendu et expédié par Amazon, soit acheter un produit qui est vendu et expédié par des vendeurs partenaires d'Amazon. Ça, en fait, c'est le principe de la marketplace, d'avoir des vendeurs qui viennent se brancher sur votre site e-commerce et qui viennent mettre en vente des produits via votre site e-commerce. Et nous, on développe toute la solution logicielle qui va permettre à des e-commerçants de devenir des marketplaces, donc d'avoir des vendeurs qui viennent se brancher sur leur site et mettre en vente des produits. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de logos, Darty, Walmart, Catch, Ubaldi. C'est des exemples de nos clients. Du coup, sur tous ces sites-là, vous pouvez acheter des produits qui vont être vendus et expédiés par des vendeurs partenaires. Et toute cette partie-là, ça passe par Miracle. Donc c'est complètement délégué à Miracle. En tout, on a 70 développeurs qui sont aujourd'hui basés uniquement à Paris. Mais à partir de début avril, on va ouvrir un bureau à Bordeaux. Donc je l'ai mis en gras, ça se voit pas trop, mais pour l'occasion, Bordeaux est en gras. On a plus de 200 clients. Là, je vous ai mis quelques logos représentatifs, mais en vrai, on a pas mal de clients. Et c'est une solution qui est 100% SaaS, ce qui a pas mal nous intéressé pour la suite, parce que c'est-à-dire que c'est nous qui sommes chargés de l'hébergement, mais aussi de la mise à jour de l'application, donc de tout ce qui va être monté de version et release de nouvelles fonctionnalités. La question qu'on se pose déjà, c'est pourquoi on a eu besoin de faire des montées de version sans interruption de service. En fait, on s'est rendu compte que avant juin 2017, avant qu'on mette en place tout ça, faire des interruptions de service, ça coûtait super cher à nos clients. Comme je vous disais, on est une application e-commerce, donc on travaille globalement quand même avec des commandes, donc de l'argent derrière. En juin 2017, on avait 3 millions d'euros de commandes par jour environ. Donc si on devait prendre une heure où on faisait une interruption de service et on devait couper le service pendant une heure, en fait ça représentait 125 000 euros de 125 000 euros de pertes sèches, 125 000 euros de commandes qui n'étaient pas prises. En réalité, c'est un peu plus que ça, parce qu'en plus, ça donne une mauvaise expérience utilisateur, parce qu'il n'y a rien de pire pour un utilisateur que d'être dans son panier, d'essayer de créer la commande et de ne pas pouvoir le faire. Du coup, on perdait sûrement des utilisateurs et on perdait plus d'argent que ça. Enfin, on faisait perdre plus d'argent que ça à nos clients. Le deuxième point, c'est que pour nous, ça nous coûtait vachement cher aussi, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une release tous les 3 mois, du coup. Comme on ne pouvait pas livrer sans interruption de service, on pouvait pas livrer tous les jours ou tous les 2 jours, on était obligé de planifier des interruptions de service. Et du coup, on accumulait des fonctionnalités pendant 3 mois et on livrait tout au bout de 3 mois en production. Donc autant vous dire que livrer 3 mois de dev en production, ça se passait rarement bien. Donc on avait pas mal de support à faire derrière, pas mal de hotfix à faire. C'était pas la meilleure façon de fonctionner. En juin 2017, on avait 69 clients en production. Du coup, à chaque fois qu'on voulait faire une release, on devait planifier une interruption de service avec eux. Donc on se retrouvait en fait avec 69 clients à contacter. On devait se mettre d'accord sur une date de montée de version, donc d'interruption de service. Et en fait, ça devenait vite ingérable. Le truc, c'est qu'on avait des clients pour lesquels on pouvait faire des interruptions de service facilement. Ils étaient OK pour qu'on en fasse. On avait d'autres, c'était un peu moins facile. Dans l'e-commerce, il y a les soldes, il y a le Black Friday, il y a Noël. Il y a plein de périodes en fait qui font que c'est jamais le bon moment pour faire une interruption de service, comme dans beaucoup de business, j'imagine. Du coup, en fait, on se retrouvait avec des clients qui étaient encore dans l'ancienne version, parce qu'on n'avait pas encore réussi à caler une date d'interruption de service. Des clients qui étaient dans la version la plus récente. Et des clients qui avaient deux versions de retard, des clients qui avaient trois versions de retard. On a fini comme ça avec 6 versions différentes de l'application. Donc 6 versions à maintenir, ça devient vite galère, parce qu'en fait on se retrouve, quand on a un bug fixe à faire dans la version N-6, il faut la faire dans la version N-6, dans la N-5, dans la N-4, jusqu'à la version N, avec potentiellement des fixes qui sont différents, parce que la codebase elle a bougé entre la version N-4 et la version N-3. Donc ça devenait globalement pas scalable. Du coup, on est arrivé au constat qu'il fallait qu'on trouve une solution sur comment on allait faire pour migrer notre application sans interruption de service. Ouais, bien sûr. Ouais.
Non, alors on a une application qui est multi-tenant, donc c'est la même instance pour un ensemble de clients. On a quand même plusieurs, c'est découpé, mais c'est la même instance pour plusieurs clients. Ouais. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Complètement. C'est assez saisonnier en fonction de. Déjà en fonction de la période dans l'année et en fonction de l'heure. Sur la slide d'avant, ouais, j'ai mis pas mal de clients français pour que ça parle un peu plus. En vrai, on en a pas mal partout dans le monde et sur des time zones différentes. Donc globalement, ça reste vachement compliqué à gérer. Du coup, on va parler un peu de comment on fait pour pouvoir faire ces montées de version sans interruption de service. Je pense que vous savez tous faire un rolling update classique, monter des web serveurs au fur et à mesure avec un load balancer devant pour éviter d'interrompre le service de vos web serveurs. Ça fonctionne bien. Là où ça se complique un peu, et c'est plus là-dessus que j'aime concentrer, c'est quand vous avez une base de données derrière et que vous voulez faire évoluer la base de données. Donc faire des changements dans le schéma de votre base de données, ajouter des colonnes, supprimer des colonnes, renommer des colonnes. Tout ça devient un peu plus compliqué quand on va le faire sans interruption de service. Donc pour vous expliquer un peu le process qu'on a dû mettre en place, j'ai pas mal utilisé ce schéma-là dans les différentes slides. Donc rapidement, en haut, c'est load balancer sur lequel il y a toutes les requêtes HTTP qui arrivent. Donc votre application, elle est en train de tourner, il y a plein de requêtes qui arrivent dessus. Load balancer, il va répartir la charge entre deux web serveurs. J'en ai mis deux, en réalité, il peut y en avoir N. L'idée, c'est qu'il y en ait plus qu'un pour que vous puissiez faire de la haute dispo. Et derrière, vous avez la base de données. Donc ce qui va se passer dans le premier exemple, c'est que je vais vous montrer comment on fait avec interruption de service, ce qui est assez simple. Et après, on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas si on veut le faire de manière un peu naïve, sans interruption de service. Donc avec interruption de service, ce qui se passe, on va prendre l'exemple d'une application dans laquelle on a une table qui s'appelle Employee, donc dans laquelle on stocke tous les employés de notre application. Cette table-là a trois colonnes, un ID, un nom et une location, l'endroit auquel ils sont basés. On va faire l'exercice de vouloir faire une feature qui va permettre de rassembler tout le monde dans un seul bureau, parce qu'il n'y aura plus qu'un seul bureau, du coup on va vouloir supprimer la colonne location. Donc on va faire une fonctionnalité dans ce sens-là. On va voir comment ça se passe pour déployer cette fonctionnalité-là avec interruption de service. Donc avec interruption de service, c'est assez facile. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande au load balancer d'arrêter de rediriger les requêtes vers les web serveurs. On coupe les web serveurs. Et ensuite, on va faire évoluer notre base de données. Là, vous êtes en interruption de service, tout est coupé. Globalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc côté base de données, là, votre base de données, vous voyez qu'elle est en version 1, c'est-à-dire qu'elle a les trois colonnes, ID, name et location. Ce qu'on va faire côté base de données, c'est qu'on va jouer globalement un script de migration qui va simplement faire une requête SQL pour enlever la colonne location, la colonne qu'on veut enlever. Ça, souvent, on le fait avec des outils automatisés, style Flyway, LiquidBase, je pense que vous avez peut-être déjà utilisé, qui permettent de versionner votre script de migration et de les jouer de manière automatique. Donc là, c'est Flyway, par exemple, qui va jouer cette requête SQL pour supprimer la colonne. Et vous vous retrouvez avec une base du coup, qui est passée en version 2. C'est-à-dire la même chose que ce que vous aviez avant, mais sans la colonne location qu'on vient de supprimer. Côté applicatif maintenant, vous allez pouvoir upgrader vos applicatifs. Donc pour ça, vous allez simplement déployer la nouvelle version de l'applicatif, ce qui va vous permettre de passer en V2. La nouvelle version de l'applicatif, ce qu'on voit, c'est quand elle essaie de créer un employé, elle n'utilise plus la colonne location, puisque vous avez fait la fonctionnalité qui permet de ne plus utiliser la colonne location. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile, vous rebranchez les web serveurs, vous les redémarrez, vous les remettez dans le load balancer. Et là, vous avez fait votre migration avec interruption de service. Donc là, tout s'est bien passé. Maintenant, si on prend l'approche naïve de faire à peu près la même chose sans couper le service, on va vite se rendre compte que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, je vais repartir de la version initiale qu'on avait. Donc tout le monde est en V1, notre base de données est en version 1 et nos applicatifs sont en version 1. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va jouer sans couper le service cette fois, le fait de dropper la colonne. On va le jouer directement avec des requêtes qui continuent à arriver. Donc potentiellement des inserts qui continuent à tourner sur notre version applicative. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on a joué le script de migration, la colonne a disparu, votre base de données, elle est passée en version 2. Par contre, vos applicatifs, ils sont encore en V1. En fait, vous ne pouvez pas synchroniser parfaitement le fait de passer vos scripts de migration et le fait de déployer vos applicatifs. Ça ne peut pas être atomique. Du coup, vous avez un moment où votre application est en V2 et pardon, votre base de données est en V2 et votre application est en V1. Et là, tout ce qui arrive sur votre application, en fait, c'est cassé. C'est cassé parce que vous essayez d'insérer des data dans la colonne location, et la colonne location, elle n'existe plus en base de données. Du coup, en fait, vous n'êtes pas en interruption de service parce que vous avez toujours des requêtes HTTP qui arrivent jusqu'à votre web serveur, mais globalement, c'est comme si vous étiez en interruption de service parce que toutes les requêtes qui arrivent, elles ne marchent pas.
Donc ensuite, si on continue le process, ce qui se passe, c'est qu'on fait un rolling update classique. Donc on va commencer à upgrader un des web serveurs, donc le premier arbitrairement. On va le passer en version 2. Il passe en version 2 et à partir du moment où il passe en version 2, bah là les requêtes commencent à bien refonctionner puisque la version 2 de l'application, elle essaie plus d'écrire dans la colonne location. Ensuite, on continue le process et on passe au deuxième web serveur en version 2. Et là, on se retrouve avec une application qui est à nouveau 100% opérationnelle. Donc là, vous avez réussi à faire votre migration. Le problème, c'est qu'en fait, pendant la phase de transition, bah, c'est un peu comme si vous étiez en interruption de service. Donc globalement, vous n'avez pas réussi à le passer sans interruption de service. Là, je vous ai pris l'exemple d'une suppression de colonne parce que c'est celle qui illustre le mieux pourquoi ça ne fonctionne pas. En vrai, vous avez le même problème si vous essayez d'ajouter une colonne, si vous essayez d'ajouter une table, vous pouvez avoir le même genre de problématique. On va voir après comment ça se passe, mais c'est vraiment pour illustrer un peu plus concrètement quel est le problème. Du coup, comment on peut faire pour éviter d'avoir ce souci-là? En fait, pour parler de ça, il va falloir parler de version rétrocompatible. Ce qu'on a vu, c'est que pendant les phases de migration, il y a un moment où vous vous retrouvez dans cette configuration-là, c'est-à-dire que vous avez tous vos web serveurs qui sont en V1 et votre base de données qui est en V2. Ensuite, vous avez cette configuration-là, où vous avez une partie de vos web serveurs en V1, une partie de vos web serveurs en V2 et la base de données en V2. Et vous avez cette configuration-là, qui est la dernière configuration à laquelle tout le monde est en V2. Globalement, les deux premières configurations, ça ne se passe pas bien. La troisième, c'est bon, vous avez fini votre migration et tout fonctionne. En fait, si vous voulez que ça fonctionne dans les trois configurations, il y a une règle qu'il faut retenir, c'est que la version N plus 1 de votre base de données, elle doit toujours être rétrocompatible avec la version N de votre applicatif. C'est-à-dire que si vous avez votre base de données qui est en V2, il faut que ça continue à fonctionner avec l'application qui est en V1. Et pour faire ça, bah, il va falloir se poser un peu plus de questions que ce qu'on s'est posé jusque-là. Et il va falloir réfléchir à comment on fait pour que la base de données en version N plus 1 soit toujours rétrocompatible avec votre applicatif en version N. Alors comment on fait ça? On va reprendre le même exemple. Donc l'exemple, c'est l'exemple de supprimer une colonne. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rendre ça rétrocompatible de version en version. Et en fait, le pattern qui va être le même un peu pour tous les use cases, ça va être de décomposer en plusieurs versions. Au lieu de faire une seule version, la V2 comme on a vu là, on va devoir faire plusieurs versions avec plusieurs scripts de migration différents et plusieurs releases applicatives différentes pour pouvoir faire en sorte d'être rétrocompatible de version en version. Donc si on prend l'exemple de la suppression de colonne, comment ça va se passer? Donc on part d'une version initiale, la V1, qui est la version dans laquelle côté base de données, notre colonne elle existe, et côté applicatif, ben, on se sert de cette colonne, donc on écrit dedans et on lit dedans. Et le but, ça va être de la supprimer, mais en mode version rétrocompatible. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire une première version, qu'on va appeler V2 cette fois, mais qui n'est pas la même que celle d'avant. Cette fois, la V2, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par passer un script de migration, donc côté base de données, qui va simplement supprimer la contrainte de non-nullité sur la colonne. Donc là, on ne drop pas la colonne, comme on faisait tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime simplement la contrainte de non-nullité. Et une fois que le script de migration est passé, on va déployer une nouvelle version de notre applicatif. Et cette version applicative, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de lire dans la colonne. Le but à terme, c'est de supprimer la colonne. Donc dans cette version-là applicative, on arrête de lire dans cette colonne-là et de se servir de la valeur qui est dans cette colonne-là. Par contre, on va continuer à écrire dans cette colonne-là. Ouais, alors d'un point de vue métier, du coup, ouais, il faut que tu t'assures que ta version 2 applicative, elle a vraiment plus besoin de la valeur. Sachant qu'en fait, ouais, ce que j'ai pas encore dit, c'est que la version 2, elle continue à écrire, par contre, elle continue à écrire dans la colonne. Parce qu'en fait, tu as un moment où tu as une configuration où tu as encore des web serveurs qui sont en V1, d'autres qui sont en V2. Du coup, tu peux pas te permettre d'arrêter d'écrire dans cette version-là, dans la colonne, parce que potentiellement, tu as la V1 qui va lire ta data. Donc de ce côté-là, tu es obligé de continuer à écrire pour être sûr que ta V1 ne déclare pas d'incohérence. Et par contre, il faut être sûr que d'un point de vue métier, dans ta V2, tu n'as plus besoin de la valeur. Ouais. Ce qui est le but à terme de toute façon, parce que tu veux supprimer la colonne. Ouais. Donc du coup, oui, dans cette version-là applicative, on est obligé de continuer à écrire dans la colonne, parce que bah, y a toujours des V1 pendant la phase de migration qui vont continuer à lire la data dans cette colonne. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter de lire, d'arrêter d'écrire. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un peu avancé, mais on n'y est pas encore. Donc on va devoir faire une nouvelle version applicative. Cette fois la V3. Côté base de données, on va toucher à rien. Pas besoin de faire de script de migration.
Par contre, la V3 de notre application, ce qu'elle va faire, donc elle lisait déjà plus dans la colonne, et là on va arrêter d'écrire dans la colonne. Ça, on peut se permettre de le faire parce que la V2 de notre application, elle ne se sert plus de la valeur qu'il y a dans la colonne, vu qu'elle ne lisait déjà plus dans la colonne. Du coup, le fait d'arrêter d'écrire en V3, bah, on reste rétrocompatible avec la V2, puisque de toute façon, la V2 ne se servait déjà plus de la data qu'il y avait dans la colonne. Du coup, dans cette version-là, simplement une version applicative qui arrête d'écrire dans la colonne, qui arrête de lire dans la colonne. Et à ce moment-là, en fait, si on regarde l'état de notre application, on se rend compte qu'elle n'utilise plus du tout la colonne. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a quasiment fini le boulot, parce qu'on a réussi à faire en sorte que l'application, de manière rétrocompatible, elle soit capable de plus utiliser la data qu'il y a dans la colonne. Et du coup, on n'a plus qu'à faire une V4, qui va être une version seulement côté base de données, donc juste un script de migration, qui va pouvoir cette fois se permettre de dropper la colonne. Ça, on peut le faire en V4, parce que la V3, elle n'utilise plus du tout la colonne. Du coup, bah, vous êtes sûr que c'est complètement rétrocompatible d'aller supprimer la colonne. Parce que même quand vous vous retrouvez avec une partie en V3, une partie en V4, bah vous êtes bon, la data n'est plus utilisée nulle part. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple de comment on fait pour décomposer tout ça en plusieurs versions. Ce qui est important de voir, du coup, c'est que chacune des versions, elle est rétrocompatible avec la suivante. Donc la version 2, elle va être de la base de données, va être rétrocompatible avec la version 1 de l'application, la version 3 avec la version 2, la version 4 avec la version 3. Par contre, la version 3 n'est pas rétrocompatible avec la version 1, la version 4 ne l'est pas non plus avec la version 1. C'est vraiment une version par une version. Le but, c'est d'être rétrocompatible juste sur la version suivante. Ça veut aussi dire que quand vous déployez, bah, vous devez passer par toutes les versions. Vous devez déployer d'abord la V2, puis la V3, puis la V4. Et avec ça, vous arrivez à supprimer une colonne, du coup, sans interruption de service, et vraiment sans interruption de service, du coup. Le service ne sera même pas dégradé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple de suppression de colonne, c'est ce qui illustre le mieux. En réalité, ce n'est pas ce qu'on fait le plus dans la vraie vie. Quand on fait de l'ajout de fonctionnalité, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter une nouvelle colonne. C'est souvent ça qui se passe. Je vais vous remontrer rapidement comment ça se passe, du coup, pour l'ajout d'une colonne. On ne va pas faire tous les use cases parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va être les deux qui vont illustrer le mieux les différents use cases. Donc là, l'idée, en fait, c'est de rajouter une nouvelle colonne, encore sans interruption de service. Et souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on rajoute une colonne qui va être not null et pour laquelle on va remplir avec une default value pour toutes les lignes existantes en base de données. Donc là, on va faire l'exercice inverse. On va repartir avec une table employee dans laquelle il n'y a pas de colonne location. Donc tous les employés sont basés à Bordeaux, par exemple. Et on va vouloir faire en sorte de les passer en mode multi-office, donc avoir une colonne qui permet de dire dans quel bureau ils sont. Donc pour faire ça, c'est pareil sans interruption de service, vous ne pouvez pas le faire facilement. Parce que si vous ajoutez une colonne qui est not null dès le début, bah votre applicatif, quand il va encore être en V1, bah il ne va pas mettre de valeur dans cette colonne-là. Donc le not null, la contrainte, elle va casser. Du coup, on part d'une version V1 dans laquelle on n'a pas la colonne. La colonne n'existe pas côté base de données. Et l'application, bah, elle n'a pas connaissance de la colonne, donc elle ne lit pas dans la colonne, elle n'écrit pas dans la colonne. Et le but, c'est de rajouter cette colonne-là. Donc pour le faire, on va commencer par faire une première version V2, dans laquelle on va faire un script de migration qui va créer la colonne, mais qui va la laisser nullable. On ne va pas créer la contrainte de non-nullité, parce qu'on ne peut pas encore le faire. Donc la colonne, elle est nullable. Et la colonne, donc, une fois que le script de migration passe, la colonne existe. Du coup, on peut se permettre, côté applicatif, dans cette release-là, de commencer à écrire dans cette colonne-là. Donc dès qu'on va insérer un nouvel employé, on va écrire sa location. Par contre, on ne peut pas encore lire dans cette colonne-là, tout simplement parce qu'il y a un moment où vous avez la V1 qui tourne en parallèle de la V2, et quand la V1 tourne, bah elle n'a pas encore connaissance de la colonne, elle n'écrit pas encore dans la colonne, du coup les datas qui sont dans la colonne, bah, elles ne sont pas fiables, vous avez encore des nuls un peu partout, parce que vous n'écrivez pas encore dans la colonne quand vous êtes en V1. En plus de ça, pour toutes les lignes existantes, bah, vous n'avez pas encore mis la valeur par défaut pour toutes les lignes existantes, donc en fait vous ne pouvez pas encore vous fier à la valeur qu'il y a dans cette colonne-là. Du coup, on va refaire une nouvelle version dans laquelle, côté base de données, on va faire ce qu'on appelle un backfill des données. Donc le backfill des données, ça va consister en repasser sur toutes les lignes existantes pour lesquelles on n'avait pas encore de valeur dans la colonne et la remplir avec la valeur par défaut. Donc là, j'ai mis Paris, par exemple, dans cet exemple-là. Donc là, on va repasser sur toutes les lignes existantes et on va aller mettre Paris dans la colonne. Le truc, c'est que ça, vous pouvez vous permettre de le faire à ce niveau-là parce que votre V2 de l'application, elle écrivait déjà dans cette colonne. C'est-à-dire que toutes les lignes qui vont être créées à partir de la V2, elles vont avoir de la data dans cette colonne-là. Donc vous pouvez vous permettre de faire un backfill, si vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien qui va créer des lignes avec des trous globalement. Donc vous pouvez boucher les trous globalement avec le backfill. Une fois que les trous sont bouchés, vous pouvez faire en sorte que votre application, elle commence à lire la data dans cette colonne. Vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de trous, donc vous pouvez vous fier à la data qu'il y a dans cette colonne, et vous pouvez déployer votre version de l'application qui continue à écrire dans la colonne, et surtout qui commence à lire dans cette colonne-là. Donc là, quand vous avez fait ça,
Globalement, vous avez quasiment terminé parce que vous avez votre application qui lit dans la colonne, qui écrit dans la colonne. Vous n'avez plus de trou dans la colonne, donc elle a été re-remplie. Donc là, tout va bien. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire passer un script de migration en version 4, du coup, qui va simplement rajouter la contrainte de non-nullité sur votre colonne. Et là, vous avez réussi, du coup, sans interruption de service, en mode rétrocompatible, à ajouter une colonne not null avec une valeur par défaut pour toutes les colonnes existantes. Donc ça fonctionne bien. Il y a plein d'autres use cases. Si on parle par exemple de renommer une colonne ou changer le type d'une colonne, bah en fait c'est un peu ce qu'on a vu. Ça revient à créer une nouvelle colonne avec le nouveau nom ou avec le nouveau type, puis à supprimer l'ancienne colonne. Si vous voulez faire sans interruption de service, vous allez être obligé de passer par là. Ça veut dire bah, enchaîner les deux process qu'on vient de voir. Donc ça commence à faire un paquet de versions, mais globalement, vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez réussir à faire ça, vous allez être obligé de le faire comme ça, en mode version rétrocompatible. Oui, bien sûr. Ouais. 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 Ouais, complètement, ouais. Nous, la façon qu'on a de fonctionner, c'est qu'on on essaie, alors, on essaie de coder toutes les versions les unes à la suite des autres. On ne les déploie pas forcément les unes à la suite des autres, dans le sens où des fois, il se passe, je dirais, comme tu disais, 2-3 jours entre chaque version. Parce qu'on attend aussi, en général, on est vraiment en mode déploiement continu, du coup, on n'a pas que ça qui part dans la version, on a aussi d'autres features qui partent dedans. Du coup, on attend que ça tourne un peu sur les prods pour pouvoir se permettre de rollbacker si jamais il y a un souci. Donc, on ne livre pas vraiment dans la même journée, on ne livre pas 4 versions. Par contre, on essaie de faire en sorte que tous les devs soient à peu près prêts au moment où on livre la V2, que la V3 soit prête et que la V4 soit prête, pour que, en gros, tant qu'on est dans le sujet, on est toujours ça en tête et qu'on le fasse vraiment tant qu'on est à peu près dans le sujet. Ouais. Ouais. C'est une des erreurs qu'on a faites au début. On a eu tendance au début à passer assez rapidement et à moins tester les versions intermédiaires. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, globalement, les versions intermédiaires, tu restais quand même un petit peu de temps dedans et tu es obligé de les tester au même titre que les versions finales. Ouais. Donc, c'est un des enseignements qu'on a tirés, ouais, c'est qu'il faut bien les tester aussi. Voilà pour tout ça. Donc tout ça, c'est la théorie. Nous, on l'avait pas mal en tête, on a pas mal étudié le truc avant, et on s'est dit ça va bien se passer. En fait, on s'est pris quand même quelques murs, malgré toute cette théorie-là, qu'on a essayé de bien appliquer au début. En fait, dans la vraie vie, bah, je pense que vous êtes un peu comme nous, vous devez utiliser des frameworks, du Hibernate, du Joux, du JDBC Template. Je ne sais pas ce que vous utilisez pour communiquer avec votre base de données, mais avec tous ces frameworks-là, en fait, comment ça s'applique dans la réalité, tout ce qu'on vient de voir? Étonnamment, croyez-le ou pas, avec Hibernate, c'est pas si compliqué. On a été assez surpris, mais c'est pas si compliqué. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où votre script de migration qui va rajouter une colonne, par exemple, il va être passé, vous allez pouvoir commencer à mapper vos colonnes dans vos entités Hibernate. Vous pouvez le faire parce que de toute façon, tant que vous n'utilisez pas ces colonnes-là, il n'y a pas de souci, elles peuvent être mappées dans vos entités. Elles existent, vous pouvez les mapper. Par contre, vous ne devez pas appeler vos setters Hibernate tant que votre version applicative, elle n'est pas censée écrire dans la base de données, dans la nouvelle colonne. Parce que l'équivalent d'une écriture en base de données avec Hibernate, c'est d'appeler un setter globalement. De la même façon, vous ne devez pas appeler vos getters sur les nouvelles colonnes tant que votre version applicative, elle n'est pas censée les lire dans la base de données, cette colonne-là. Parce que sinon, bah, vous allez vous retrouver avec des trous parce que vous allez avoir des données qui ne vont pas être encore backfillées. Si vous faites du Joux, du JDBC Template ou même du SQL d'une autre façon, c'est assez similaire. D'un point de vue de Joux, par exemple, à partir du moment où votre script de migration il va être passé, votre colonne elle va exister en base de données. Donc dans votre métamodèle Joux, la colonne elle va exister. Elle va être créée dans la classe Joux qui map votre table. Donc elle va être créée, ce n'est pas un souci. Par contre, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire des inserts ou des updates tant que votre version applicative elle n'est pas censée écrire dans la base de données.
Et de la même façon, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire des selects tant que vous n'êtes pas censé aller lire la donnée dans votre version applicative. Donc ça, c'est assez simple, finalement. Que vous utilisez des frameworks ou pas de frameworks, ça ne change pas grand-chose, les principes restent les mêmes. Il faut juste faire gaffe à quand est-ce que vous pouvez lire, quand est-ce que vous ne pouvez pas lire, quand est-ce que vous pouvez écrire, quand est-ce que vous ne pouvez pas écrire. Ouais, c'est la slide de juste après. Très bon point. Justement, on l'a fait, mais on l'a fait après s'être planté, a posteriori. Il y a un truc, c'est que malgré tout ça, on a quand même découvert deux, trois trucs qu'on n'avait pas en tête au début. Et le premier, justement, c'est le select étoile. En fait, dans le principe, on m'a souvent dit qu'il ne fallait pas faire de select étoile, sans vraiment beaucoup d'explications à part la performance. Il y en a une autre quand vous faites des montées de version sans interruption de service et que vous avez des prepared statements. Le principe d'un prepared statement, c'est que vous allez demander à la base de calculer le plan d'exécution de votre requête SQL. Donc vous allez lui envoyer la requête SQL avec des placeholders à la place des paramètres. Vous allez lui demander de calculer le plan d'exécution et ensuite vous allez lui demander d'exécuter la requête. Donc admettons que vous ayez un select étoile, vous faites select étoile from employee, vous demandez à la base de calculer le plan d'exécution de cette requête-là. Elle va calculer le plan d'exécution en fonction des infos qu'elle a. Donc elle sait que le étoile, en fait, ça représente deux colonnes, la colonne ID et la colonne name. Donc elle va calculer le plan d'exécution. Le truc, c'est que quand vous allez passer un script de migration qui va rajouter une nouvelle colonne, bah en fait, le plan d'exécution, potentiellement, il va changer. Parce que vous passez de deux colonnes à trois colonnes dans l'étoile. Du coup, potentiellement, le SGBD, ce qu'il va dire, c'est bah « Attends, tu m'as demandé de calculer le plan d'exécution d'une requête. Là, c'est toujours la même requête, mais en fait, ce que je te ramène, c'est plus la même chose. » Et en fait, bah, lui, il va refuser de vous exécuter la requête. Parce qu'il va se dire que la requête a changé entre temps et que potentiellement le plan d'exécution a changé. Du coup, si vous avez des select étoiles dans votre application, bah vous allez casser vos prepared statements au moment où vous allez passer votre script de migration. Donc l'idée, bah, c'est de ne pas utiliser de select étoiles dans votre application, mais de bien spécifier les colonnes que vous voulez ramener. C'est comme ça, quand vous allez passer votre script de migration et que vous allez déployer votre nouvelle version applicative, ce sera une autre requête, ce ne sera pas le même prepared statement, parce que vous avez passé de deux colonnes à trois colonnes explicitement. Donc on a refait le tour de tous les select étoiles qu'on avait, on les a tous supprimés, on avait juste oublié un petit détail, c'est que Juke aussi, il peut renvoyer des select étoiles, enfin il peut générer des select étoiles. Par exemple, si vous utilisez la méthode dslContact.select de Juke, sans paramètre, lui derrière il va vous générer un select étoile. Donc en fait, si vous voulez repasser sur tous les select étoiles, bah faire un full text search sur select étoiles, ça suffit pas, il faut aussi regarder tous les frameworks que vous utilisez, bah, quelles sont leurs façons de générer des select étoiles, et repasser sur tous ces usages-là. Dans le même ordre d'idée, il y a des choses qui sont faisables avec certains SGBD. Par exemple, avec Postgres, vous pouvez changer le type d'une colonne assez facilement si c'est des types qui sont compatibles d'un point de vue SGBD. Par exemple, vous pouvez transformer une colonne qui est de type varchar 10 en colonne texte. Physiquement, il le stocke exactement de la même façon, il vous permet de le faire. C'est juste que quand vous êtes en varchar 10, vous avez un check en plus qui vérifie que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 caractères. Mais c'est exactement la même chose et lui vous permet de changer le type d'une colonne sans devoir tout réécrire. Le problème avec ça, c'est que c'est pareil, le type de la colonne, c'est pris en compte dans le calcul du plan d'exécution. Et du coup, bah, si vous le changez en mode sans interruption de service, vous allez avoir le même problème, vous allez casser vos prepared statements. Donc ça, en fait, globalement, vous ne pouvez pas le faire. Il y a quand même un paramètre qui est sympa dans le driver JDBC qu'on a découvert après, qui s'appelle autosave égale à conservative. En fait, ce que ça fait, ça, c'est que ça va utiliser des mécanismes de save point. C'est-à-dire que ça va créer un save point avant chacune de vos requêtes. Et si jamais vous tombez dans un cas de prepare statement qui est cassé, qui a été invalidé, ça va revenir au save point de juste avant. Donc ça ne va pas vous rollbacker votre transaction. Ça va recalculer le plan d'exécution. Donc en gros, ça va refaire un nouveau prepare statement. Et ça va vous permettre d'exécuter votre requête de manière transparente, comme si en fait vous n'aviez pas ce problème-là. Le seul truc, c'est que ça, ça a un overhead qui n'est pas négligeable. Ça rajoute des save points avant chaque requête. Du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire tout le temps. Ça dépend vraiment de votre applicatif. Ça dépend vraiment des performances que vous cherchez à avoir sur vos requêtes SQL. Du coup, c'est une option. Si c'est pas envisageable pour vous en termes de performance, et bah, va falloir passer par des versions rétrocompatibles et tout décomposer en plusieurs versions si vous voulez changer le type d'une colonne, par exemple. Un autre truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, c'est tout ce qui va être gestion des énums qui sont persistés. Ça, en fait, on s'était dit que si on avait un énum qui était persisté en base, on voulait rajouter une valeur dans cet énum, c'était super facile. Mais en réalité, sans interruption de service, ça ne l'est pas. On va revenir sur ce schéma-là. Donc là, c'est un schéma où on est en cours d'exécution notre montée de version sans interruption de service. On a certains web serveurs qui sont déjà en V2. On a encore des web serveurs qui sont en V1. Ce qui se passe, c'est que dans la V1, on a un énum qui s'appelle gender, dans lequel il y a male et female. Et dans la V2, on veut faire évoluer cet énum-là.
Il y a pas mal de pays qui ont reconnu un troisième genre, qui est divers, si je ne dis pas de bêtises. Donc on veut faire évoluer ça et on veut rajouter une valeur à cet énum-là. Cet énum-là est déjà utilisé en base de données. C'est-à-dire qu'on stocke déjà male et female en base de données en V1. Ce qui se passe, c'est que si en V2, on rajoute cet énum, cette valeur à cet énum, donc divers, une troisième valeur, en fait, ce qui se passe, c'est que votre V2, si vous le faites de manière simple, elle va commencer à écrire la valeur divers dans la base de données. Sauf que le problème, c'est que vous avez toujours votre V1 qui va lire en base de données. Du coup, vous avez toujours la V1 qui va remonter des datas et qui va essayer de les rentrer dans l'énum gender. Sauf que si vous avez des données, si vous avez une valeur qui est divers dans la base de données, bah vous n'allez pas pouvoir la désérialiser en V1. Du coup, à chaque fois que la V1 va essayer d'aller lire en base l'énum, si vous tombez sur divers, bah ça va être cassé. Du coup, en fait, ajouter un énum, bah vous ne pouvez pas le faire en une seule version. C'est pareil. Enfin, ajouter une valeur à un énum, vous ne pouvez pas le faire en une seule version. Va falloir le décomposer en plusieurs versions. En fait, il va falloir faire une première version de votre application dans laquelle vous ajoutez la valeur dans l'énum, côté Java, mais vous ne l'écrivez pas encore en base. Puis une deuxième version de l'application où vous pouvez commencer à l'écrire en base et du coup à la lire sans problème. Donc rajouter un énum, en fait, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut le faire en plusieurs versions. Dans le même ordre d'idée, attention aussi à tout ce qui va être inner join. On a vu tout à l'heure qu'il y a certaines versions de l'application dans laquelle votre colonne elle va pas encore être backfillée, c'est-à-dire vous allez encore avoir des nuls dans votre colonne. Mais en fait, tant que vous avez encore des nuls dans votre colonne, évitez de faire des inner join dessus, parce que partout où ça va être nul, bah, ça va vous filtrer vos résultats. Donc si jamais vous avez besoin de faire des jointures avec ça, méfiez-vous et faites-le que dans les versions où vous êtes sûr que vous avez de la data, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Pareil avec tout ce qui est Hibernate, attention à tout ce qui va être utilisation de type primitif dans vos entités Hibernate. Admettons que vous vouliez rajouter une colonne de type booléen, par exemple. Ce que vous avez envie de faire, c'est de rajouter un petit booléen et pas un grand booléen, parce qu'à terme, votre colonne elle va être not nulle. Donc vous voulez le mapper sur un petit booléen. Le truc, c'est que tant que vous avez des nuls en base, donc tant que votre data ne va pas être backfillée, bah, en fait, vous êtes obligé de mettre un grand booléen. Parce que si Hibernate il lit la donnée, il ramène les données dans l'entité, bah, s'il trouve un nul, qu'il essaie de le mettre dans un petit booléen, bah, ça va planter. Du coup, attention, même si à terme vous voulez utiliser des IP primitifs, bah vous pouvez le faire que dans les dernières versions, là où vous êtes sûr que vous avez de la donnée en base de données. Voilà, ça fait un petit résumé de globalement les erreurs qu'on a faites. On est à peu près tombé dans tout ça. On a pas mal nettoyé le code. On a pas mal fait en sorte bah, de plus se planter là-dessus. Ça arrive encore qu'on se plante sur certains use cases, mais globalement, les premiers enseignements qu'on a tirés, c'est tout ça. Ouais. 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 Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Aujourd'hui, on ne le fait pas trop parce que, comme je te disais, on essaie de développer au fur et à mesure. En fait, on ne passe pas à une autre feature tant qu'on n'a pas développé les 2, 3 ou 4 versions de la feature. Et on fait en sorte que ce soit le ou les mêmes personnes qui bossent sur l'ensemble des différentes versions. Donc globalement, on enchaîne les PR sur les différentes features. Mais effectivement, si tu commences à avoir beaucoup d'espacement dans le temps, ça devient plus compliqué à gérer. Ouais, complètement. Je vais parler un peu après de toute la partie automatisation, comment on a automatisé toute la partie script de migration pour réduire un peu tout ça, mais ouais, il y a cette problématique-là. Ouais. Donc en résumé sur ce qu'on a vu, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est la règle que je vous ai énoncée tout à l'heure, c'est que votre version de la base de données, N plus 1, elle doit toujours être rétrocompatible avec votre version applicative N. À partir du moment où vous faites ça, bah, l'avantage c'est que vous pouvez faire des migrations sans interruption de service. Ça, c'est tout ce qu'on a vu. Il y a un deuxième avantage dont je n'ai pas trop parlé encore, qui est qu'en fait, vous laissez la possibilité de rollbacker votre version applicative. Disons par exemple que quand vous déployez votre version applicative V2, vous vous rendez compte que vous avez un gros bug dedans. Vous avez une ENPE qui passe à chaque requête. Vous avez une ENPE à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, c'est rollbacker en version 1, revenir à la version applicative de la version 1. En fait, vous pouvez le faire parce que vous êtes déjà retrouvé dans cette configuration-là. Tout à l'heure, on a vu quand vous faites votre montée de version, il y a un moment où vous avez votre base de données qui est en V2 et vos deux web serveurs qui sont en V1.
En fait, ça correspond à une situation de rollback. C'est-à-dire, si vous aviez tout monté en V2 et que vous vous dites, attention, j'ai un problème avec ma V2, je veux rollbacker en V1, vous allez vous retrouver dans cette configuration-là. Et cette configuration-là, vous savez déjà qu'elle fonctionne, puisque vous avez fait en sorte que ça fonctionne pour la migration sans interruption. Du coup, à partir du moment où vous avez réussi à migrer sans interruption, vous vous laissez plus ou moins gratuitement la possibilité de rollback votre version applicative tout en laissant la base en V2. Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec le fait que vous avez décomposé en plusieurs versions et vous pouvez rollback plutôt que de faire un hotfix dans l'urgence. Vous pouvez vous laisser la sécurité de pouvoir rollback facilement votre version applicative. Côté base de données. Ça dépend un peu des use cases aussi, parce que quand tu drops une colonne, par exemple, la recréer avec les data, c'est plus compliqué si t'as pas. Enfin, tu vas être obligé de repasser par des backups. Oui, ouais, non, t'as raison, ouais. Il y a des. Ouais, à partir du moment où tout ce que tu fais en base est réversible, ouais, tu peux le faire, effectivement, ouais. 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 Ouais, mais donc, tant que c'est réversible, de toute façon, ça te permet de revenir en arrière. Après, nous, dans la pratique, on n'écrit pas les scripts, par exemple, qui permettent de rollbacker, comme tu peux le faire avec du Liquidbase, par exemple, parce qu'on se dit que côté base de données, une fois que c'est migré. Par contre, côté applicatif, on sait que ça tourne et on peut rollbacker, ce qui nous a déjà sauvé quelques fois. Les inconvénients de tout ça, je pense que vous les avez vus, c'est qu'au lieu de faire une version, vous allez devoir en faire deux, en faire trois en fonction des use cases, des fois en faire quatre. Ça prend plus de temps. Ça prend plus de logistique aussi. Vous devez faire des PR différentes, des branches différentes, vous devez maintenir tout ça. Tant que la V2 n'est pas partie en prod, vous ne devez pas envoyer la V3. Ça demande un peu plus de synchronisation. La charge mentale n'est pas la même non plus. Il faut se poser vachement plus de questions que ce que vous vous posiez avant. Quand vous voulez rajouter une colonne, ce n'est pas simplement rajouter la colonne. Il va falloir se poser toutes ces questions-là, faire en sorte que chaque version soit rétrocompatible. Donc globalement, ça prend plus de temps. Il y a un peu plus de risques aussi, parce qu'il y a plus de risques d'erreur. Donc ça fait partie vraiment des inconvénients qu'il faut avoir en tête quand vous vous lancez là-dedans. Et ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, chaque version doit être déployée une par une. Vous ne pouvez pas passer de la V1 à la V3 quand vous déployez. Vous êtes obligé de passer par la V2. Voilà, donc en gros, tout ça, c'est un peu ce dont on s'est rendu compte au début. On a mis tout ça en place. Ça a fonctionné pas mal, mais on a eu pas mal d'autres problèmes dès le début. En fait, le truc, c'est que quand on a commencé à mettre ça en place, on avait déjà une application sur laquelle il y a pas mal de trafic. Il y a des commandes qui sont prises en permanence, il y a des commandes qui avancent dans un workflow, il y a des appels API en permanence. On a beaucoup de trafic. Et en fait, on va voir par la suite que quand on a une application qui a pas mal de trafic, ça pose plein d'autres problèmes de migrer sans interruption de service avec une base de données. Donc ça, c'est la théorie sur comment le faire dans le concept. Et on va parler un peu de maintenant comment on fait avec du trafic pour que ça continue à bien se passer. En fait, le principal problème que ça pose, c'est tout ce qui va être lock en base de données. Je vais vous donner des exemples qui s'adaptent bien à Postgres 9.5. Nous, c'est ce qu'on utilise. On est en train de passer en version 11, mais pour l'instant, on a la 9.5. Ça reste assez générique, c'est-à-dire que sur la plupart des SGBD, tous les concepts que je vais évoquer, ça s'applique aussi. Il y a quelques subtilités, quelques différences entre les SGBD, entre les versions des SGBD, mais globalement, ça reste très générique et les concepts sont à peu près les mêmes. Donc, si vous prenez une base de données relationnelle telle que Postgres, ou telle que Oracle, ou plein d'autres bases de données, c'est une base de données qui est acide. Je vais pas vous refaire le détail de ce que veut dire acide, je pense que vous voyez à peu près. Le principe en tous les cas, c'est que pour pouvoir garantir toutes ces propriétés d'acidité, que ce soit l'isolation, la consistance, etc., le SGBD, il va utiliser des systèmes de lock. Donc des locks comme ça peut exister en Java avec le mot-clé synchronize par exemple, il va devoir bloquer certains process pendant qu'il y a d'autres process qui sont en train de tourner pour être sûr que tout reste acide, que tout reste consistant, qu'il y a de l'isolation. Tout ça va être géré avec des locks en base de données. Donc en base de données, il y a plusieurs types de locks. Je vais pas rentrer dans tout le détail. Mais globalement, pour vous donner un petit aperçu, il y a des locks qu'on va trouver au niveau des lignes. Donc, quand vous avez des lignes en base de données et que vous faites par exemple un update sur une ligne, ce qui va se passer en fait, c'est que la ligne elle va être lockée. Donc, le process d'update, il va prendre un lock sur la ligne en question. Et ce qui est le lock là, il va bloquer tout ce qui va être update, delete ou insert sur la même ligne. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un autre update qui arrive sur la même ligne en parallèle, en fait, il va devoir attendre que l'update en cours est terminé. La ligne va être lockée. Il n'y a que l'update en cours qui peut travailler dessus. Et les autres updates vont être stackés derrière et vont devoir attendre que le lock soit libéré. Par contre, ça ne lock pas les selects. C'est-à-dire que les selects vont continuer à passer sur cette ligne-là. Ça va continuer à répondre. Par contre, tout ce qui est mis à jour, pour le coup, ça va être bloqué. Quand vous passez un select, pour le coup,
ça bloque rien. Ça bloque pas les autres selects, ça bloque pas les autres inserts, ça bloque pas les autres updates, ça bloque pas non plus les deletes. Donc quand vous faites un select, il n'y a pas de lock au niveau de la ligne qui vont être posées, qui vont bloquer les autres opérations qu'on voit ici. Il y a un deuxième type de lock, qui est le lock au niveau de la table. Donc juste avant, c'était vraiment au niveau de la ligne. Il y a des locks qui vont se poser au niveau de la table. Par exemple, si vous faites un alter sur une table, ça va poser un lock sur toute la table et c'est un lock qui va locker à peu près tout. C'est-à-dire que ça va locker les inserts, les updates, les deletes, mais ça va aussi bloquer les selects. C'est-à-dire que quand votre alter il est en train de tourner, donc par exemple un alter pour ajouter une colonne, vous faites un alter table employee at colon location, ce qui va se passer, c'est que tant que votre alter il est en train de tourner, globalement sur votre table, il n'y a plus rien qui va pouvoir passer. Plus de select, plus d'insert, plus d'update, plus de delete. Autant vous dire que vous allez vite vous rendre compte de pourquoi ça pose des problèmes. Mais nous, quand on l'a fait, les premières alters qu'on a passées, globalement, ça a bloqué toute l'application et on s'est retrouvé avec une interruption de service. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne suis pas rentré trop dans le détail. La doc de Postgres, par exemple, est super bien faite. Elle explique vraiment en détail comment fonctionnent les locks. Mais sur le principe et ce dont on a besoin pour la suite de la présentation, globalement, c'est ça. Il y a des locks au niveau des lignes, il y a des locks au niveau de la table. Et les alters, globalement, ils lockent tout, y compris les selects. Alors, comment ça se passe en vrai quand il y a des requêtes qui sont exécutées dans le SGBD? Donc là, vous avez votre base de données. Votre base de données, elle joue des requêtes. Donc vous avez une requête qui est en train de tourner sur la base de données, un select étoile from person. Bon, étoile, on s'en rappelle, il ne faut pas le faire, mais je l'ai fait pour l'exemple. C'était plus simple. Vous avez une autre requête potentiellement qui est en train de tourner. Vous avez plein de requêtes qui sont en train de tourner en parallèle. Ce qui se passe en fait, c'est que votre SGBD, il a une sorte de queue dans laquelle il va empiler toutes les requêtes qui arrivent. Quand il y a une nouvelle requête qui arrive, par exemple un autre select étoile, encore un, sur la même table, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que les deux requêtes sont compatibles? Globalement, est-ce que la requête qui est en train de tourner, elle a posé un lock qui m'empêche de faire tourner la deuxième requête? Là, on a vu qu'un select, ça ne bloquait pas un autre select. Du coup, le SGBD, il voit que les deux requêtes peuvent tourner en parallèle et il prend le deuxième select, il le fait tourner en parallèle. Vous avez une autre requête qui arrive. Pour le coup, c'est un update. On a vu qu'un update, ça ne bloquait pas les selects et qu'un select, ça ne bloquait pas un update. C'est dans les deux sens. Du coup, le SGBD, il voit qu'il peut faire tourner le update en parallèle. Donc là, j'ai trois requêtes qui tournent en parallèle, ça ne pose pas de souci. Maintenant, je joue mon script de migration et j'ai un alter qui arrive. Du coup, mon script de migration, il essaie de faire un alter sur la même table, sur la table personne. Là, ce qui se passe, c'est que le SGBD, il détecte que les selects et les updates ont mis des locks sur des lignes et que lui, il va avoir besoin pour le alter de prendre un lock sur toute la table et que le alter n'est pas compatible ni avec le select ni avec le update. Du coup, il va locker le alter. Voilà, j'étais un peu vite. Donc le alter se retrouve locké. Et le alter ne va pas être exécuté tant que toutes les trois requêtes qui sont là ne sont pas terminées. Le problème avec ça, c'est que derrière, il y a d'autres requêtes qui continuent à arriver. Vous avez potentiellement un select qui va arriver derrière. Et le select, on a vu qu'il n'est pas compatible avec le alter. Du coup, en fait, le alter, il est devant dans la queue. Donc le alter, il va locker le select qui arrive derrière. C'est-à-dire que toutes les requêtes qui arrivent derrière, elles se retrouvent lockées. Si j'ai un update qui arrive derrière, pareil, il n'est pas compatible avec le alter et il est derrière tout ça. Donc du coup, lui aussi est locké. Donc tant que votre alter n'est pas passé, en fait globalement, tout ce qui arrive derrière, ça se retrouve locké. Donc que le alter soit rapide ou pas rapide, à la limite, tout de suite, ce n'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est qu'on a des requêtes qui sont lentes en base de données à ce moment-là, qui mettent du temps à s'exécuter, et qui lockent le alter, et du coup le alter va locker tout ce qui arrive derrière. Donc là, encore une fois, vous n'êtes pas vraiment en interruption de service, mais globalement, si ça dure plus de 30 secondes, tous vos clients ils vont tomber en timeout, et c'est un peu comme si vous étiez en interruption de service. Donc ce qui se passe ensuite, c'est qu'à un moment quand même vos requêtes elles vont dépiler. Le SGBD il va finir de traiter la première requête, donc le select il finit de le traiter. Il va finir de traiter le deuxième select. Il va finir de traiter l'update. À chaque fois, il va se poser la question, à chaque fois qu'il finit une requête, est-ce que les locks ont sauté et est-ce que maintenant je peux exécuter ma nouvelle requête? Là, il reste encore un update, donc l'update n'est pas compatible avec le alter, je suis encore locké. Dès que l'update est terminé, il va se reposer la question. Là, j'ai plus rien qui tourne, donc c'est facile. Mon alter ne va plus être locké. Et il va partir pour s'exécuter en base de données. Par contre, les requêtes qui sont arrivées derrière, elles sont toujours lockées. Parce que le alter, il est en train de tourner. On n'est toujours pas compatible avec les requêtes qui sont dans la queue. Du coup, si votre alter, à ce moment-là, il prend 10 minutes à passer, vous allez locker pendant 10 minutes de plus toutes les requêtes qui arrivent derrière. Donc le alter va passer. Et à partir du moment où il est passé, là, vous allez relibérer toutes les autres requêtes. Le select va pouvoir passer. Le update va pouvoir passer. Les deux sont compatibles, donc les deux peuvent être joués en parallèle. Mais vous avez eu une phase, à partir du moment où votre alter est arrivé, pendant laquelle tout ce qui est arrivé derrière s'est stacké. Et globalement, votre base, c'est comme si elle ne répondait pas. Donc comment on contourne tous ces problèmes-là? Il n'y a pas de solution miracle.
C'est toujours une histoire de trade-off, de comment on, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme, comme concession. Faut quand même faire vachement attention aux opérations que vous faites. Et en gros, il faut distinguer deux types d'opérations. Il y a tout ce qui va être opération lente et tout ce qui va être opération rapide. Globalement, tout ce qui est opération lente, c'est plutôt safe. Pardon, tout ce qui est opération rapide, c'est plutôt safe. À partir du moment où c'est rapide, globalement, vous allez minimiser la durée de vos locks. Du coup, vous pouvez le faire sans trop vous poser de questions. Par exemple, si vous ajoutez une colonne, si vous faites un alter pour ajouter une colonne, sans contrainte de non-nullité et sans default value, ça va super vite. D'un point de vue Postgres, c'est une entrée dans le PG catalogue. Ça va super vite de juste ajouter une colonne sans default value et sans contrainte de non-nullité. Si vous supprimez une colonne, c'est pareil, c'est super rapide. Ça se passe dans le PG catalogue, ça va super vite. Si vous ajoutez une contrainte, certaines contraintes, ça peut aller très vite. Par exemple, ajouter une default value a posteriori. Quand vous ajoutez une default value a posteriori, ça n'impacte pas les lignes existantes. Du coup, c'est quelque chose qui est rapide. Ajouter une contrainte de non-nullité, si vous avez un index, ça peut aller vite. Ajouter un check, c'est pareil, ça va vite. Et supprimer une colonne, c'est pareil, ça va. Pardon, supprimer une contrainte, c'est pareil, ça va vite. Donc toutes ces opérations-là, qui se passent dans des haltères, vous pouvez les faire de manière à peu près sereine. Par contre, il y a d'autres opérations qui sont beaucoup plus lentes et qui, pour le coup, du coup, sont pas super safe à faire comme ça, directement dans des haltères. Par exemple, ajouter une colonne avec une default value dès la création de la colonne, ça, c'est quelque chose qui peut être lent. Parce que si vous avez énormément de lignes existantes dans votre table, bah, va falloir que le SGBD repasse sur toutes les lignes pour mettre la default value. Donc il va réécrire toutes les lignes et ça peut prendre beaucoup de temps. Et pendant que ça se joue, bah, c'est dans un alter, du coup bah, vous avez des locks qui vous lockent toute la table. Pareil, créer un index, si vous avez une large table, une table qui est super grande, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est de la dénormalisation de données, donc il faut copier toutes les données de votre colonne pour les mettre dans l'index. Ça peut prendre du temps. Donc c'est pas super safe non plus. Changer le type d'une colonne, c'est pareil, il va falloir réécrire toute la table. Donc si la table est volumineuse, ça va prendre du temps. Créer une contrainte d'unicité, ça peut prendre du temps aussi. Parce qu'en fait, techniquement, ce qui se passe quand vous créez une contrainte d'unicité, c'est que le SGBD va vous créer un index d'unicité derrière. Donc ça revient à créer un index, ce qui peut être lent. Et on l'a vu tout à l'heure aussi, le backfill de la colonne. Quand vous allez jouer un update qui va devoir backfiller toutes les lignes existantes, ça peut prendre aussi pas mal de temps. Si vous avez des millions et des millions de lignes à backfiller, ça peut prendre du temps. Pour le coup, ce n'est pas dans un alter, c'est dans un update. Donc les locks sont un peu moins forts, mais vous avez quand même locké bah, toutes les lignes que vous voulez backfiller. Vous avez locké pour les updates, pour les deletes, pour les inserts. Pas pour les selects, mais quand même pour tout le reste. Du coup, pour tout ce qui est safe, on peut le faire de manière à peu près sereine. Pour tout ce qui ne l'est pas, va falloir trouver des workarounds pour faire en sorte bah, qu'on soit capable de le faire en minimisant quand même la durée des locks. Donc comme je disais, il n'y a pas de solution miracle. Les locks, ils existent pour une bonne raison. Il n'y a pas moyen de s'en passer. Par contre, il y a des alternatives pour faire en sorte de pouvoir passer toutes ces opérations lentes de manière à minimiser les locks et à minimiser l'impact du coup que vous avez sur votre prod. On va reprendre l'exemple d'ajout d'une colonne. Donc d'ajout d'une colonne avec une contrainte de non-nullité et avec une default value. Donc un des use cases les plus courants quand on fait de la feature. Ça, ce qu'on a vu, c'est que passer un alter table, ça lock tout. Donc toute votre table, elle est lockée. Il n'y a plus rien qui passe, plus de select, plus d'insert, plus d'update. Et en termes de rapidité, si vous n'avez pas de contrainte de non-nullité, pas de default value, ça va vite. Si vous en avez, ça peut être lent. Du coup, on ne peut pas le faire comme ça directement. Ce qu'il va falloir faire, bah, c'est le faire en plusieurs phases. Il va falloir d'abord créer la première colonne nullable. Ça va vite. Créer la colonne sans contrainte, on a dit que ça allait vite. Donc on peut le faire. Ça pose un lock en alter, donc ça pose un lock qui est fort, mais ça s'exécute rapidement. Ensuite, on va pouvoir backfiller notre colonne. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est plus lent, mais ça se fait avec moins de lock, parce que ce n'est pas dans un alter, c'est un update. Du coup, les selects vont continuer à passer. Par contre, les updates, eux, ils vont pas passer en parallèle. Mais ça, vous pouvez le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez le faire au fur et à mesure et relâcher les locks au fur et à mesure. Donc, locker certaines lignes, faire vos updates que sur certaines lignes, puis locker les suivantes, puis locker les suivantes, en relâchant les locks au fur et à mesure. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter votre contrainte de non-nullité sur la colonne. Ça, si vous avez un index, c'est rapide, donc vous pouvez le faire de manière assez safe. Ça tombe plutôt pas mal, parce que cette décomposition-là, ça retombe sur celle qu'on avait fait avant. Donc en fait, ajouter une colonne telle qu'on l'a fait en mode version rétrocompatible, ça correspond pas mal à la façon de faire pour minimiser les locks en base de données. Donc ajouter une colonne, en fait, on n'a pas trop de soucis à partir du moment où on le fait en mode version rétrocompatible. Il y a d'autres use cases qui sont un peu plus tricky pour le coup. Par exemple, créer un index. Donc créer un index, ce que ça va faire, c'est que ça va locker les inserts, les updates et les deletes sur toute votre table. Donc pendant que vous créez votre index, il ne peut plus y avoir d'index, plus d'insert, plus d'update, plus de delete. Par contre, les selects continuent à passer. Ça reste quand même un peu embêtant. Nous, on a des prises de commande, par exemple. Ça veut dire que si on rajoute un index sur notre table commande, bah, on n'a plus de prise de commande tant que l'index n'est pas créé.
sur des tables qui font 5 millions, 10 millions, 100 millions d'entrées, des milliards d'entrées, potentiellement, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc en termes de rapidité, ça peut être lent si vous avez des tables volumineuses. Du coup, la best practice, en fait, pour créer un index, ça va être d'utiliser un mot-clé qui s'appelle Concurrently, qui est proposé par Postgres, par exemple. Vous avez une directive qui s'appelle Create Index Concurrently. Et ça va demander au SGBD de créer l'index, mais de le faire un peu différemment pour minimiser les locks. En fait, ce que va faire le SGBD, c'est qu'il va gérer lui-même la transaction à la création d'index et il va vous faire trois transactions différentes. Il va créer l'index en fait en trois phases. Plutôt que de le faire en une fois, il va faire une première transaction, puis une deuxième, puis une troisième. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en gros faire un snapshot de votre base de données. Il va rien locker du tout, donc vous allez continuer à modifier vos données. Il va copier ce qu'il peut copier dans l'index. Il va avoir une version de l'index qui est à peu près bonne. Et après, il va vous poser un lock qui, pour le coup, va tout bloquer, mais pour une durée courte où il va juste rattraper ce qui a bougé entre-temps, pendant que vous avez des inserts, des updates qui sont passés. Il va tout rattraper, il va tout remettre à jour dans l'index et après, il va vous relâcher le lock. Donc en fait, ça il va le faire en trois transactions. C'est lui qui va avoir la main sur les transactions et il va réussir à minimiser les locks comme ça et à faire en sorte de créer votre index sans tout locker pendant toute la durée de création de l'index. Ça, par contre, vous ne pouvez pas le faire tourner dans une transaction. C'est Postgres en fait qui va gérer la transaction pour vous parce que c'est lui qui le fait en trois transactions. Donc vous ne pouvez pas wrapper tout ça dans une transaction. L'idée aussi, c'est que du coup, c'est plus transactionnel. Comme ça se fait en trois phases, potentiellement, ça peut péter à la phase 2, ça peut péter à la phase 3. Et vous pouvez avoir un index qui va être créé, mais pas complètement, si jamais ça a pété en cours de route. Du coup, vous avez un index qui peut être créé, mais invalide. Et si vous tombez dans ce cas-là, vous allez devoir faire le ménage à la main. Aussi, c'est un peu plus long à créer. Ce qui se passe, c'est qu'il doit faire deux full scans de la table. Il doit en faire un premier quand il met les données en mode à peu près. Et ensuite, il doit en refaire un deuxième pour vérifier et mettre à jour tout ce qui a changé. Du coup, c'est un peu plus long à créer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire de pros and cons. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève. C'est pas une solution parfaite, mais ça permet vraiment de minimiser les locks et de faire en sorte que votre appli continue à tourner pendant que vous créez votre index. Il y a un article de Second Quadrant que je vous ai mis ici qui est vachement bien, qui explique vraiment comment ça marche en détail, le Create Index Concurrently. Je vous invite à le lire, c'est assez intéressant. Il y a d'autres opérations, je ne vais pas toutes les faire. Oui, pardon. Ouais. Si, justement, ça pose des soucis, c'est que ça, on peut pas le faire, par exemple, avec Flyway, à ma connaissance, en tous les cas. Ça rejoint un peu la dernière partie de la presse où j'explique un peu pourquoi on n'a pas utilisé Flyway et qu'est-ce qu'on a fait à la place, justement, pour pouvoir gérer, entre autres, ces use cases-là. Ouais. Mais avec Flyway, oui, à ma connaissance, en tous les cas, c'est pas un truc qu'on peut faire avec Flyway. Ouais. Donc, les autres types d'opérations qui peuvent poser problème, c'est par exemple l'ajout d'une contrainte. On a vu qu'il y avait certaines contraintes. C'était rapide à ajouter, donc ça ne pose pas trop de problèmes. On a parlé de la contrainte default, par exemple, ajouter une default value sur une colonne existante, ce n'est pas trop un souci. On a d'autres contraintes qui peuvent être plus lentes à créer. Donc pour créer ces contraintes plus lentes, il y a une option qui est d'utiliser les mots-clés not valid et validate. En fait, quand vous allez créer votre contrainte, vous allez le faire dans un alter table, du coup vous allez tout locker. Et ce qui est long dans la création de contraintes, c'est que le SGBD doit repasser sur toutes les lignes existantes de votre table et doit vérifier que chaque ligne existante respecte bien la contrainte. En fait, le mot-clé not valid, il vous permet de demander au SGBD de créer la contrainte, mais de ne pas valider les lignes existantes. C'est-à-dire que toutes les nouvelles lignes qui vont être créées ensuite, elles vont être soumises à la contrainte, mais toutes les lignes existantes, elles ne vont pas encore être soumises à la contrainte. Du coup, avec ça, le fait de créer la contrainte, ça va super vite. Il applique juste la contrainte, mais il ne vérifie pas les lignes existantes. Donc votre alter table, il va passer rapidement. Et après, vous avez le mot-clé validate que vous pouvez utiliser, qui va permettre de valider la contrainte. C'est-à-dire que là, ça va demander au SGBD de repasser sur toutes les lignes pour vérifier que, que la contrainte est bien respectée chez tout le monde. Sauf que ça ne va pas passer avec un lock des alters. C'est-à-dire que ça va être un lock qui va être beaucoup plus faible. Et en fait, votre base elle va pouvoir continuer à tourner. Vous pouvez avoir des requêtes qui tournent en parallèle. Le fait que vous ne soyez pas dans l'alter table, ça va faire des locks beaucoup plus faibles. Et du coup, toute la partie longue de vérification des lignes existantes, ça va se faire quasiment sans lock. Dans le même ordre d'idée, créer une contrainte d'unicité, ça prend du temps parce que pareil, il faut aller vérifier que, que toutes les lignes sont bien uniques. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est créer un index d'unicité. C'est de toute façon ce que fait Postgres techniquement derrière. Plutôt que de créer une contrainte d'unicité, vous pouvez explicitement créer un index d'unicité de manière concurrente comme on l'a vu. Il y a un dernier cas auquel il faut faire vachement attention, c'est la création de foreign key. Le use case, c'est vous créez une nouvelle table.
Vous voulez créer une nouvelle table, donc vous êtes complètement en isolation. Nous, ce qu'on s'était dit au début, c'est qu'à partir du moment où on crée une nouvelle table, on n'a pas trop de problématiques de lock, parce que c'est une nouvelle table qui va être utilisée que dans le cadre de notre nouvelle feature. Du coup, pas trop de problèmes. Le truc, c'est que quand vous créez une nouvelle table, si vous mettez une EFK vers une table existante, le alter table, il ne va pas locker que votre table que vous venez de créer, il va aussi locker la table qui est référencée. Du coup, en fait, quand vous créez une nouvelle table, vous n'impactez pas que vous-même, vous impactez aussi toutes les tables qui sont référencées par des potentiels FK que vous avez dans votre nouvelle table. Du coup, il faut faire attention, il faut se reposer la question, est-ce que ça va être un problème de locker ou pas les tables qui sont référencées? Vous avez la possibilité aussi sur des foreign cats de faire des not valid et des validate si vous tombez dans le cas où vous voulez réduire les locks. Ce n'est pas vraiment de vos use cases, mais vous avez cette possibilité-là si vous vous rendez compte que vous avez besoin de minimiser les locks sur les tables qui sont référencées. Voilà, donc ça, vous avez une petite idée de à quoi il faut faire gaffe et surtout comment on peut faire pour contourner un peu les différents use cases. Je pense qu'il y a plein d'autres use cases que je n'ai pas cités ici. La liste n'est pas exhaustive. Nous, c'est les principaux sur lesquels on est tombé. Il y en a sur lesquels on avait anticipé. Il y en a sur lesquels on n'avait pas anticipé. Et on s'est retrouvé avec des tables qui étaient complètement lockées et une application qui, globalement, s'est retrouvée interrompue alors que pourtant on avait bien respecté toutes les versions rétrocompatibles. Quelques petits trucs intéressants qu'on a découverts au fur et à mesure. Donc, je vous disais tout à l'heure, si votre alter il est long, ça va locker pendant un moment. Mais on voyait sur le schéma tout à l'heure, avec la base de données, qu'en fait, votre alter il va rester dans la queue tant que les requêtes qui sont en train de tourner dans la base de données ne sont pas terminées. Donc, si j'ai des selects qui tournent sur ma table et que j'essaie de faire un alter sur ma table, on l'a vu, le alter il se met dans la queue et il attend que tout soit terminé. Et tout ce qui arrive derrière, ça se lock. Donc, en fait, dans votre application, faut garder en tête que plus vos requêtes sont courtes, plus vous facilitez la vie pour les potentielles migrations que vous allez faire plus tard. Depuis tout à l'heure, je parle de requêtes. En fait, les locks, ils sont liés à la transaction. C'est-à-dire que dès que vous arrivez sur une requête, ça va prendre des locks, mais vos locks vont être relâchés qu'à la fin de la transaction. Donc même si vous faites 15 autres requêtes derrière qui n'ont rien à voir, vos locks, ils vont rester tant que votre transaction ne va pas être committée ou tant qu'elle ne va pas être rollback. Du coup, il faut toujours préférer les requêtes et les transactions qui sont rapides, dans la mesure du possible et dans la mesure où le métier vous le permet. Plus vous avez des requêtes lentes, plus vous compliquez la vie au moment où vous allez faire des migrations. Et ça vaut même pour les selects, parce qu'on a vu que les selects, potentiellement, ils lockaient les alters et qu'après, ça lockait tout. Donc même les selects, essayez de les faire le plus court possible. Et surtout, s'ils sont dans des transactions, essayez de faire en sorte que les transactions soient le plus courtes possible. Il y a deux paramètres qui sont sympas, log min duration statement et log lock weights dans Postgres qui vous permettent pour le premier d'aller loguer toutes les requêtes qui prennent plus de X secondes à être exécutées. Par exemple, vous pouvez lui dire de loguer toutes les requêtes qui prennent plus de 200 millisecondes à s'exécuter et ça vous permet d'identifier toutes les requêtes qui potentiellement peuvent être problématiques. Le log lock weights, c'est un peu l'équivalent pour les locks, c'est-à-dire que ça vous permet de loguer toutes les requêtes qui attendent un lock pendant plus de X secondes avant de s'exécuter. Vous allez pouvoir dire, log-moi toutes les requêtes qui attendent plus de 200 millisecondes avant de s'exécuter. Et ça vous permet de voir un peu les dépendances entre vos requêtes et qu'est-ce qui attend quoi globalement. Ça, c'est vraiment une anticipation pour permettre d'identifier les problèmes potentiels que vous pouvez avoir dans votre application avant de passer en mode interruption, migration sans interruption. Un autre truc qui est pas mal à savoir, c'est donc, comme je vous disais, les locks qui sont relâchés qu'à la fin de la transaction. Donc, si vous faites des scripts de migration, là, je l'ai fait en Java, mais peu importe. Si vous faites des scripts de migration et que vous voulez faire des alters, par exemple, sur deux tables différentes, l'idée, en fait, ça va être de ne pas le faire dans la même transaction. Parce que là, quand j'arrive sur ma première ligne, je vais faire mon alter table sur ma table customer pour ajouter une colonne. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un lock sur la table customer. Je vais passer mon alter, tout va bien se passer. Ensuite, je vais passer au deuxième alter sur la table offer. Potentiellement, le deuxième alter, il va attendre un moment parce qu'il doit attendre que toutes les requêtes soient terminées sur la table offer. Le truc, c'est que je suis toujours dans la même transaction. Du coup, mon alter table sur la table customer, il a toujours les locks, il n'a pas relâché les locks. Et du coup, toutes les requêtes qui étaient sur la table customer, elles sont toujours en attente. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, le lock, j'aurais pu le relâcher avant et il pourrait se passer des requêtes sur la table customer parce que là, je suis en train d'impacter la table offer. Donc, c'est un peu dommage de lier les deux. Du coup, en fait, plutôt que de tout wrapper dans une seule transaction, l'idée, c'est que si vous touchez à deux tables différentes sur des alters, si le métier vous le permet, si vous n'avez pas de problématique transactionnelle ou il faut que vraiment ce soit dans une même transaction, séparez-le en deux transactions. Ça vous permet de minimiser les locks et de faire en sorte que chaque alter relâche les locks dès qu'il est passé. Dans le même ordre d'idée, évitez les transactions inutiles. Si vous n'avez pas besoin d'une transaction, faites pas de transaction.
Quand vous êtes en read committed, par exemple, sur des selects, si vous faites que des selects, ça a peu d'intérêt d'aller faire des, d'aller tout wrapper dans une transaction. On va prendre un exemple concret. Donc là, j'ai un bout de code Java qui wrappe tout dans une transaction. Il fait deux choses, ce bout de code-là. Le premier truc qu'il fait, globalement, en fait, c'est qu'on a une méthode qui va nous permettre d'exporter tous nos customers. On va dire que notre table customer, elle est grande. On a énormément de data dans notre table customer. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de récupérer la locale du user. Donc on va aller taper sur la table user pour récupérer la locale du user. Ça va super vite. C'est un select sur la table user. On récupère une data, ça va vite. Ensuite, on utilise cette data-là. On la passe à notre repository qui récupère tous les customers. Ça, c'est un export qui peut prendre beaucoup de temps. Potentiellement, si vous avez beaucoup de customers, disons que l'export prend, je ne sais pas, 10 minutes. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez fait un premier select sur la table user. Bah, lui, pareil, il a pris le lock, un lock en select, donc ce n'est pas un lock qui est très bloquant. Mais par contre, votre lock, il ne va pas être relâché tant que votre export des customers, il ne va pas être terminé. Ce qui fait que vous n'avez aucun alter qui va pouvoir passer sur la table user tant que votre export des customers ne va pas être terminé. Encore une fois, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez récupéré votre data dans la table user, bah vous n'avez plus besoin de lock sur la table user et vous pourriez faire des modifs sur la table user complètement de manière transparente. Du coup, plutôt que de faire ça, bah l'idée c'est juste de virer le transactionnel et de ne pas faire de transaction, même en select, quand vous n'en avez pas besoin. Donc c'est toujours le même ordre d'idée. En gros, si vous pouvez réduire la durée des transactions, voire ne pas faire de transactions dans les use cases où vous n'en avez pas besoin, bah n'en faites pas, vous allez vous simplifier la vie. Encore un autre point qui est assez important, c'est ne pas attendre trop longtemps un lock quand vous faites une migration. En gros, le constat, c'est que vous avez votre application qui est en train de tourner, vous essayez de faire une migration, mais le plus important, c'est que votre application, elle continue à tourner. Vaut mieux faire échouer la migration plutôt que d'aller bloquer votre application pendant trop longtemps. Vaut mieux se dire que, OK, il y a des locks à ce moment-là, on essaiera de rejouer la migration plus tard, ou on va décomposer la migration de façon à minimiser les locks pour que ça passe mieux une autre fois. Mais le but, c'est de ne pas planter l'application. On ne veut pas qu'il y ait d'interruption de service. Du coup, en fait, vous avez un paramètre qui est pas mal, qui s'appelle Lock Timeout. C'est une configuration Postgres qui permet de dire, je veux que tu me tues les requêtes si jamais elles attendent un lock pendant trop longtemps. Donc typiquement, si votre alter, il attend par exemple un lock plus de 10 secondes, c'est complètement arbitraire, mais plus de 10 secondes, vous allez pouvoir dire au SGBD, bah, tu me tues ma requête de migration parce qu'elle a attendu plus de 10 secondes, et pendant 10 secondes, bah, il y a des requêtes qui se sont empilées derrière, et je suis en train de commencer à bloquer mon application. Du coup, le conseil que je peux vous donner, moi, c'est de définir ce paramètre-là sur tous vos scripts de migration. La valeur que vous allez mettre, ça dépend un peu de votre métier. Pendant combien de temps vous pouvez vous permettre de locker vos tables. Nous, sur la prise de commande, par exemple, c'est pas très long. On ne veut pas que les prises de commande aient en timeout. Si je dis pas de bêtises, on a mis 10 secondes, par exemple, en valeur par défaut. Et après, on adapte en fonction des use cases. Mais globalement, on se dit que chaque requête de migration qui attend un lock pendant plus de 10 secondes, potentiellement, elle bloque l'application pendant plus de 10 secondes. Et on considère que ce n'est pas acceptable. Donc, on demande au SGBD de la tuer si elle attend plus de 10 secondes. Et après, bah, soit on joue la migration à un moment où il y a moins de trafic, soit on regarde ce qui bloque et on essaie de décomposer un peu la migration pour faire en sorte qu'il y ait moins de lock. Un autre truc important, gardez votre SGBD à jour. Là, les exemples que je vous ai pris, c'était du Postgres 9.5. Il y a beaucoup de trucs qui sont similaires, mais il y a des améliorations de version en version. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, depuis les versions plus récentes, en Postgres 11, je crois, créer une conne avec une valeur par défaut, ça se fait de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins de lock que ce que ça se fait en 9.5. Donc il y a des améliorations au fur et à mesure dans toutes les versions des SGBD pour minimiser les locks. Donc essayez de le garder le plus à jour possible. Nous on est encore en 9.5, on passe en 11 là justement parce que bah, on est un peu en retard et ça peut faire la différence sur pas mal de choses. Un autre truc, évitez les requêtes en production, les requêtes manuelles que vous allez faire en production, évitez de les faire pendant les phases de migration, évitez de les faire tout court manuellement déjà, mais évitez de les faire pendant les phases de migration pour une simple et bonne raison, c'est que même un select bah, ça peut loquer un alter. En général, quand on fait des requêtes manuelles sur une production, on évite de le faire, mais quand on le fait, on commence par faire un begin pour être sûr de pouvoir rollback si jamais on fait une connerie. On fait un begin, on va faire un select dedans. Bah, le select, il va prendre le lock tant que la transaction ne va pas être rollback ou tant que la transaction ne va pas être commit. Donc si vous faites un begin, que vous faites un select et que vous laissez votre terminal ouvert parce que vous voulez regarder ce qui se passe, bah, en fait, si vous avez un alter qui arrive pendant la migration sur la même table, bah, il va être locké. Et en fait, bah, ça va être vous la cause du lock. Donc évitez de faire des requêtes en production, même des trucs qui peuvent vous paraître anodins, genre des selects, bah, potentiellement ça va vous ralentir, voire vous bloquer votre migration. Ouais, donc ça c'est un peu un petit résumé de tout ce qu'on a vu sur les problématiques de lock en base de données. Au début on pensait que ça allait être, enfin on avait déjà entendu parler, on s'était un peu documenté dessus, on pensait un peu que ça arrivait qu'aux autres, que c'était pas vraiment un truc qui arrivait vraiment. En vrai, on a pas mal de trafic et ça a été limite plus problématique que la première partie de la présentation. Décomposé en plusieurs versions. Une fois qu'on a pris le coup, c'est assez facile.
Les locks, en vrai, il y a pas mal de problématiques et ça arrive vraiment. Donc ça nous a posé pas mal de problèmes. On va passer à la dernière partie. La dernière partie, c'est comment on automatise tout ça. On a vu que c'était pas si simple. Il faut faire plusieurs versions. Il faut savoir dans quelle version on peut faire quoi. Il faut exécuter les scripts de migration en plusieurs versions. On a vu tout à l'heure qu'il y a des outils comme Flyway, comme Liquidbase qui permettent d'automatiser toute la partie migration de la base de données. Nous, pour nos use cases, c'est pas ce qu'on a retenu. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer un peu comment on a fait. On a développé en fait un outil qui permet de déployer des scripts de migration en plusieurs versions et qui nous permet de gérer toute notre montée de version côté base de données. En fait, on a besoin à la base pour automatiser tout ça d'un outil qui va versionner nos scripts de migration, qui va savoir quand est-ce que les scripts de migration ont déjà été joués, quels scripts de migration faut jouer quand on déploie une nouvelle version. Ça, c'est exactement ce que fait Flyway, c'est exactement ce que fait Liquidbase. Sauf qu'on se rend compte que pour nos besoins, c'est pas que customisable, c'est pas assez flexible. On a parlé tout à l'heure des scripts, par exemple, qui ne devaient pas tourner dans des transactions, on a parlé d'autres trucs. Tout ça, ces outils-là, on n'a pas trouvé de moyen de les faire fonctionner avec ça. Nos besoins, on en a plusieurs. Déjà, c'est d'avoir une transaction par script de migration. On ne veut pas avoir une grosse transaction qui wrap tout. Ça, c'est le mode de fonctionnement de Flyway. Donc Flyway, pour ce le coup, gère ce besoin-là. Par contre, on a certains scripts, comme on disait, qui ne peuvent pas tourner dans des transactions. Ça, c'est plus compliqué avec des outils comme Flyway et Liquidbase. Faire un create transaction currently, par exemple, c'est un problème. Vous ne pouvez pas le faire parce que ça va forcément dans une transaction. Vous avez certaines migrations qui doivent être chunkées, qui doivent être faites par lot. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du backfill, quand vous voulez remplir beaucoup de données. Pour minimiser les locks, ce que vous allez faire, c'est que vous allez traiter par lot. C'est-à-dire que vous allez faire une transaction dans laquelle vous allez updater, par exemple, 1000 lignes, puis une autre transaction où vous allez updater 1000 lignes suivantes. Vous allez faire tout ça par lot pour minimiser les locks. Donc vous avez besoin d'avoir une gestion assez fine des transactions, ce que ne vont pas vous permettre des outils comme Flyway ou Liquidbase. Et ensuite, dans nos besoins, on voulait pouvoir écrire des scripts SQL, des scripts de migration SQL, mais aussi pouvoir en écrire dans un langage de programmation. Nous, on a choisi Groovy. Ça pourrait être du Java, ça pourrait être du Groovy, ça peut être plein d'autres langages. Nous, on a choisi du Groovy parce que pour le scripting, on trouvait ça un peu plus sympa que le Java. Mais on va avoir des migrations qui vont être un peu plus complexes que simplement du SQL à exécuter. Du coup, on a regroupé un peu tous ces besoins-là. On s'est rendu compte que globalement, les outils Flyway, Liquidbase, ça ne correspondait pas exactement à nos besoins. Et on a fini par développer un outil que nous, on a appelé le Migration Launcher. Cet outil-là, globalement, c'est pour remplacer Flyway ou Liquidbase. Globalement, ce qu'on va avoir, c'est des scripts de migration, un peu à la Flyway, un peu à la Liquidbase. On va avoir plusieurs concepts. Ça, c'est l'arborescence de ce à quoi ressemblent nos scripts de migration. Là, dans cet exemple-là, il y a deux migrations. Ce qu'on appelle une migration, du coup, chez nous, en gros, c'est un répertoire qui va contenir un ensemble de scripts de migration. Là, c'est deux features différentes. Il y a une feature qui va ajouter une colonne branch dans une table et une autre feature qui va ajouter une table discount. Donc, c'est deux features complètement différentes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des scripts de migration, du coup, en suivant cette arborescence-là. Et c'est notre outil, le Migration Launcher, du coup, qui va versionner ces scripts-là, savoir quel script faut jouer et quand. On a pensé l'outil un peu en mode convention over configuration. C'est-à-dire que c'est dans le nom du fichier et dans l'emplacement du fichier qu'on va déterminer globalement comment le script doit se comporter. Il y a pas mal d'informations en fait dans le nom du fichier ici. Donc chaque fichier correspond à un script de migration et un ensemble de fichiers qui sont dans un répertoire. Ça va correspondre à une migration, donc globalement à une feature ou à une version de la feature. Le premier truc qu'on voit, c'est que les fichiers, on peut les ordonner. On a un numéro, tout simplement parce qu'il y a des scripts qui peuvent dépendre d'autres scripts. Potentiellement, il faut que votre table soit créée pour que dans un autre script plus tard, vous puissiez le backfiller, par exemple, ou vous puissiez faire d'autres opérations. Donc, on a permis d'ordonner les scripts. Ça, on le fait simplement avec un préfixe qui permet d'ordonner les différents scripts qu'on va exécuter. Le deuxième truc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a des scripts qui peuvent être en SQL, d'autres qui peuvent être en Groovy. Donc, notre outil Migration Launcher, du coup, il est capable d'interpréter du SQL, mais il est aussi capable d'interpréter du Groovy. Troisième truc, c'est qu'on permet dans le nom du fichier de préciser qu'on ne veut pas de transaction. C'est-à-dire que par défaut, en fait, ce que va faire notre outil, c'est qu'il va wrapper chaque script de migration dans sa propre transaction. Parce que dans la plupart des use cases, c'est ce que vous voulez faire. Donc on ne va pas obliger chacun à gérer les transactions. Lui, il wrappe chaque script dans une transaction. Par contre, pour créer un index, par exemple, vous n'avez pas envie d'avoir une transaction parce que vous voulez créer de manière concurrente. Donc vous pouvez préciser que vous avez pas de, que vous voulez pas de transaction. Et là, l'outil va savoir qu'il ne doit pas wrapper le script dans une transaction. Un autre point que vous voyez dans le nom du fichier, c'est qu'on a précisé before deploy et after deploy. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça.
En fait, c'est pour minimiser le nombre de versions qu'on va devoir réaliser. En fait, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, on veut ajouter une nouvelle colonne. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous le refais rapidement juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est que pour ajouter une colonne sans interruption de service, premier truc à faire, c'est la V2 qui crée la colonne nullable qui écrit dans l'application, enfin qui écrit dans la base, mais qui ne lit pas encore dans la base. Puis la V3 qui va backfiller la colonne côté base de données et côté application, on va pouvoir écrire et lire dans la base de données. Puis la V4 qui passe la colonne en note nulle. En fait, on s'est dit, c'est pas mal, mais ça fait beaucoup de versions. Est-ce qu'on a un moyen de réduire le nombre de releases qu'on doit faire? Donc, on va toujours être en mode version rétrocompatible, mais on a essayé de minimiser le nombre de releases qu'on devait faire. Et on est arrivé sur un mécanisme en fait qui est un tout petit peu différent. On a adapté le mécanisme en se disant, il y a peut-être des scripts qui doivent passer avant le déploiement applicatif et des scripts qui peuvent passer après le déploiement applicatif. Dans tout ce dont on a parlé avant, tous les exemples que je vous ai donnés, on jouait les scripts et ensuite on déployait l'application. Là, on s'est dit, on va se donner la possibilité de jouer des scripts, déployer l'application et rejouer d'autres scripts après. Et en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de minimiser le nombre de versions dans certains use cases. Si on prend le même exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, avant de déployer l'application, faire comme on faisait avant, c'est-à-dire créer la nouvelle colonne nullable. On va pouvoir déployer notre version applicative qui va ne pas lire toujours dans la colonne, mais commencer à écrire dans la colonne. Donc là, comme avant, jusque-là, ça ne change rien. Par contre, on peut gagner un peu de temps en commençant à faire le backfill de la colonne dès que le déploiement est fini. Donc dans la même release, on peut exécuter un script après le déploiement qui dit qu'on peut commencer à backfiller la colonne. Ça, vous pouvez le faire parce que votre application, elle est déployée, elle écrit dans la colonne. Donc vous pouvez faire le backfill et il n'y aura plus de trou à la fin du backfill. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait en V3 avant, qu'on peut, grâce à ça, faire en V2. Jusqu'ici, on ne voit pas trop le gain, on va le voir juste après. C'est que maintenant, on peut faire une V3. La V3, ce qu'elle va faire, c'est bah déjà, elle peut passer un script de migration qui met la contrainte de non-nullité sur la colonne. Parce que votre application en V2, elle écrit déjà dans la colonne. Vous avez passé votre backfill en V2, donc vous n'avez plus de trou dans votre colonne. Du coup, bah facile, vous pouvez passer le script de migration dès la V3, vous pouvez passer le script de migration qui met la contrainte de non-nullité. En plus de ça, bah votre application maintenant, elle peut aller lire dans la colonne. Vous avez la contrainte de non-nullité, vous savez qu'il n'y a pas de trou, donc votre application, elle peut lire dans la colonne. Après le déploiement, vous n'avez plus rien à faire. En fait, bah, vous vous rendez compte que là, vous êtes arrivé à faire votre montée de version sans interruption de service pour ajouter une colonne en seulement deux versions au lieu de le faire en trois versions. Du coup, en fait, c'est l'idée qu'on avait derrière la tête quand on a mis en place ce système-là. Et on permet maintenant de taguer nos scripts en before deploy ou after deploy, ce qui nous permet de gagner des versions. On a fait pas mal d'itérations là-dessus. À la base, on voulait réussir à tout faire dans une seule version. On a réfléchi à un système de feature toggle qui nous permettait de dire quand est-ce qu'on pouvait lire d'un point de vue applicatif ou pas dans la colonne, quand est-ce qu'on pouvait écrire dans la colonne d'un point de vue applicatif, avec des scripts de migration qui activeraient, désactiveraient les feature toggle. On est arrivé à une usine à gaz, c'était compliqué. Ça marchait pas dans tous les use cases, ça marchait même dans peu de use cases. Et on s'est dit que c'était un peu trop compliqué et que c'était pas la bonne solution. Du coup, on est resté sur ce principe-là. Mais on y est arrivé après pas mal d'itérations, on a fait plein de tentatives et c'est celle-là qui nous a paru le meilleur compromis. Ouais, exactement, ouais. Ouais, en gros, une fois que tous les web serveurs sont passés dans la version à laquelle tu essaies de monter, ouais. Ouais. Ouais, exactement, ouais. Tu retombes dans le même problème que quand tu essayais de le passer sans faire attention. Ouais, exactement. Ouais. Un autre point intéressant, c'est qu'on permet de flaguer des scripts comme étant des scripts de backfill. Ça, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, on a besoin de savoir si ce qu'on est en train de faire, c'est du backfill ou pas. Alors pourquoi? On va reprendre toujours le même exemple, l'ajout d'une nouvelle colonne. Donc là, je suis en V1 partout. Donc en V1, quand je vais ajouter ma nouvelle colonne, c'est ma version applicative, en V1, bah, la colonne n'existe pas en base de données. Et on n'écrit pas dans cette colonne-là, on ne lit pas dans cette colonne-là. Ça, c'est l'état de l'application avant qu'on rajoute la colonne. Ce qui se passe, c'est que vous allez faire votre montée de version, tout va bien se passer, vous allez faire en version rétrocompatible, etc. Pour arriver en V2, vous allez avoir du coup votre colonne qui va exister en base de données. On a vu que dans la V2, on pouvait aussi faire le backfill. Donc dans la V2, on crée la colonne, on commence à écrire dans la colonne côté applicatif et on fait le backfill côté base de données. On a vu tout à l'heure qu'on s'est laissé la possibilité de rollback. Donc si on se rend compte qu'il y a un problème côté applicatif, on va devoir rollback en version 1. Donc on rollback en version 1. Et quand on rollback en version 1, en fait, bah on se retrouve dans une version qui n'écrit plus dans la colonne. Donc qui va commencer à réintroduire des trous dans la colonne. Donc à partir du moment où vous avez rollbacké, bah vous n'écrivez plus dans la colonne.
Du coup, vous allez insérer des nuls dans cette colonne-là. Du coup, le backfill que vous avez fait tout à l'heure, bah, il a été utile, mais en fait, vous avez introduit des trous, donc toutes vos données ne sont pas backfillées. Du coup, en fait, au moment où vous allez repasser en V2, bah, il va falloir le rejouer le backfill. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une configuration où vous êtes en V2, mais vous avez encore des trous dans votre colonne, et du coup, bah, votre V3 ne passera pas. Du coup, en fait, les scripts de backfill, en cas de rollback, il va falloir refaire un nouveau backfill, on va falloir rejouer le script de backfill. En fait, c'est pour ça qu'on a été obligé d'aller identifier les scripts, d'aller les flaguer comme étant des scripts de backfill, parce qu'il y a ce use case-là du cas du rollback, où on va devoir rejouer le script au moment où on va revenir à la version qu'on avait rollbackée. Voilà en gros pour en termes de features ce que cet outil nous permet de faire. Je vais rentrer juste un tout petit peu plus en détail dans les différents scripts, les différents cas particuliers qu'il y a dans les scripts et les petits trucs qu'il faut avoir en tête quand vous faites ce genre de script. Le premier, on en a déjà parlé. Là, j'ai deux scripts différents pour faire des alters dans deux tables différentes. Le contenu de ces scripts, il est tout simple. Alter Table Employee et Alter Table Warehouse. Donc l'outil permet de faire deux scripts différents, wrapper dans deux transactions différentes pour minimiser les locks, comme je vous disais tout à l'heure, et pas mettre tous les alters dans une seule transaction et relâcher les locks au fur et à mesure. Le troisième script qui est ici, c'est le script qui va créer un index. Donc on l'a vu créer un index, on est en OTX parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de transaction, parce qu'on veut le créer de manière concurrente. La requête, elle est assez simple, c'est la requête de base. En fait, il y a un truc quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est Postgres qui va gérer les transactions pour vous, et potentiellement, il va le faire en plusieurs transactions, et ça peut planter à la deuxième transaction ou à la troisième transaction. Et dans ces cas-là, vous vous retrouvez qu'un index qui est créé, mais qui est actif ou pas actif, ça dépend des use cases. Par exemple, en fait, il va être marqué comme invalide, je crois, ou not valide en base par le SGBD. Et par exemple, si c'est un index d'unicité, vous allez avoir la contrainte d'un d'unicité qui va être utilisé, mais le SGBD ne va pas utiliser l'index quand vous allez faire des requêtes. Bref, c'est dans un état incohérent et votre index, il existe. Si ça arrive, ce qui va se passer, c'est que votre migration, elle va échouer, parce que la création de l'index, elle va planter, mais elle va planter peut-être au bout de la deuxième transaction. Du coup, quand vous allez redéployer, quand vous allez rejouer votre migration, le script, il va être rejoué à nouveau. Sauf que le problème, c'est que votre index, il existe déjà. Du coup, en fait, quand vous faites ce genre de script qui ne sont pas transactionnels, à part trouver un moyen d'être idempotent. C'est-à-dire de faire en sorte que si vous rejouez votre script une deuxième fois, bah votre script y passe. Donc en fait, dans tous les scripts qui sont sans transaction, souvent, enfin pour nous, les seuls use cases qu'on a, c'est la création d'index. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un drop index if exist avant. Parce que si jamais l'index existe déjà, ce qui veut dire qu'on est dans le cas où la migration a déjà planté une fois et que l'index n'a pas réussi à être créé, bah on va le dropper avant pour pouvoir le recréer derrière. En gros, ça revient à faire le ménage que Postgres n'a pas fait pour nous quand ça a planté. On lui dit de faire le ménage avant, au cas où, on soit dans le cas où on revienne une deuxième fois. Donc ça, pareil, on ne l'a pas fait au début. Et en fait, bah, la première fois, notre index concurrent, il a planté. On a essayé de relancer notre migration et ça n'a pas marché parce que l'index existait déjà. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Nous, on a connu un test qui vérifie dans tous les scripts de migration qui sont pas, enfin, qui créent un index de manière non transactionnelle. On a bien un drop avant pour être sûr qu'on ne tombe pas dans ce cas-là. Le dernier script, c'est le script de backfill. Il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Déjà, donc chez nous, c'est du Groovy, parce qu'on veut pouvoir chunker de manière fine comment on fait le backfill. donc le script est assez simple. Je ne vous détaille pas toute la requête, mais globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère les 10 000 premières lignes et il va faire une mise à jour pour ces 10 000 premières lignes. Puis il passe aux 10 000 suivantes, puis il passe aux 10 000 suivantes. Il y a deux trucs importants là-dedans. Le premier, c'est que c'est nous qui allons gérer les transactions. C'est pas l'outil de migration, le Migration Launcher, qui va wrapper tout ça dans un script dans une seule transaction. C'est nous qui allons gérer les transactions à la main dans ce script-là. Ça, nous, on le fait parce que c'est un script .groovy. Donc notre outil, il ne va pas wrapper dans une transaction tout ce qui est en .groovy. On considère qu'à partir du moment où on écrit des scripts en .groovy, c'est au développeur qui écrit le script de gérer les transactions. Le but, c'est que là, on a une gestion fine des transactions. On peut se permettre de faire une transaction chunk par chunk. Donc là, 10 000 par 10 000 dans cet exemple-là. Pareil, ça dépend beaucoup de votre métier, ça dépend beaucoup de votre use case. Plus votre chunk va être gros, plus ça va mettre longtemps à s'exécuter, mais plus votre script va aller vite. Enfin, pardon, plus la transaction va être longue, mais plus votre script va aller vite parce que vous allez faire moins d'aller-retour. Par contre, bah, plus vos chunks sont petits, plus vous minimisez les locks. Par contre, le script va être plus long parce qu'il va faire plus de tours de boucle globalement. Donc, ça, c'est le premier truc, c'est que les transactions, du coup, on les gère à la main. Et c'était un peu le but, c'est qu'on puisse avoir une gestion fine des transactions. Le deuxième truc, c'est que là aussi, votre script, faut qu'il soit idempotent. C'est-à-dire que si votre migration est plante au bout du cinquième chunk, il faut que quand vous relanciez votre script, bah, ça se passe bien. Et ça se passe bien, ça veut dire que ça fonctionne déjà et que ça n'écrase pas toutes les données existantes. Potentiellement, vous avez déjà backfillé une partie des données, vous n'avez pas forcément envie de les écraser. Du coup, là, dans la requête SQL, vous le voyez, on le backfill
que si la data elle est nulle. C'est-à-dire pour pas écraser tout ce qui a été fait depuis. Parce que potentiellement, vous avez déjà votre V2 de l'application qui écrit des données, qui ne sont pas forcément la valeur par défaut que vous voulez remplir ici. Par exemple, là, c'est Paris, la valeur par défaut. Ça pourrait être Londres, ça pourrait être Bordeaux qui a été rempli par votre V2 de l'application. Vous n'avez pas envie de l'écraser, sinon vous perdez de la data. Du coup, c'est à vous de gérer les transactions. Et il faut faire super gaffe à être idempotent. Parce que potentiellement, ce script-là, comme il n'est pas transactionnel en entier, c'est vraiment plusieurs transactions, bah, il va peut-être être joué que à moitié. Donc vous devez gérer tous ces cas-là et il faut l'avoir en tête. Voilà en gros pour les différents use cases que ça permet de gérer. Il y a peut-être d'autres use cases sur lesquels on n'est pas encore tombé, qu'on n'a pas eu besoin de gérer. C'est possible que ça gère pas tout encore. Mais voilà en gros sur ce que ça permet de gérer. Où on en est aujourd'hui du coup? Donc rétrospectivement, tout ça, c'est un peu tout ce qu'on a appris. On a pas mal avancé, on a pas mal itéré, on s'est planté pas mal de fois. Ça fait 2 ans et demi qu'on a lancé ça. Je vous disais juin 2017, ça a été la première fois qu'on a fait une montée de version sans interruption de service. Ça fait 2 ans et demi du coup qu'on n'a pas fait d'interruption de service, à part la maintenance des bases de données ou ce genre de choses. Mais en termes de déploiement de features, on est totalement en livraison continue et sans interruption de service depuis 2 ans et demi. Sans interruption de service, c'est à peu près vrai, modulo, bah, tout load fix qu'on a dû faire au début, où on pensait qu'on n'allait pas interrompre le service et qu'on l'a interrompu. Au début, on a fait beaucoup, beaucoup de hotfix. Il n'y a pas une livraison qui s'est bien passée sur les 3-4 premières. Maintenant, on est rodé. Ça nous arrive encore de faire des erreurs, mais c'est beaucoup plus rare. Donc maintenant, on est vraiment sans interruption de service, beaucoup moins de hotfix et ça se passe beaucoup mieux. On a fait beaucoup d'itérations sur le Migration Launcher, donc l'outil que je viens de vous présenter. Je vous ai parlé du Before Deploy, After Deploy. Il nous a fallu beaucoup d'itérations avant d'arriver à ça. On a testé plein de trucs et c'est la solution qu'on a retenue. Mais il nous a fallu pas mal de boulot et pas mal d'itérations là-dessus. On a encore pas mal d'améliorations à faire. Je vous disais, je pense qu'il y a plein de use cases qu'on n'a pas encore traités et sur lesquels on va tomber. Mais globalement, on a un truc qui, pour l'instant, nous satisfait à peu près et répond à notre besoin. Mais il y aura sûrement pas mal de boulot à faire encore dessus. Le constat qu'on a fait, je pense que vous l'avez deviné, c'est que le développement de features, ça coûte beaucoup plus cher. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus de versions, une charge mentale beaucoup plus élevée, beaucoup plus de risques aussi, parce que beaucoup plus de risques d'erreur. Donc ça coûte vraiment plus cher. Faut l'avoir en tête si vous voulez vous lancer là-dedans. C'est pas gratuit de le faire. C'est toujours une histoire de trade-off. Ça prend plus de temps, mais en même temps, bah, ça vous permet de ne pas faire d'interruption de service. Par contre, là, on a été vraiment gagnant, c'est sur la maintenance de l'application. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est beaucoup, beaucoup moins cher de maintenir notre application. Ça nous a vraiment changé la vie. On n'a plus qu'une seule version à maintenir. Là, on était arrivé à 6 versions, on n'en a plus qu'une seule. Donc ça nous coûte beaucoup moins cher. Aujourd'hui, on a plus de 200 clients. À l'époque, je crois que je vous avais mis les chiffres, c'était 69 clients. Maintenant, on en a plus de 200. Ça veut dire que si on avait continué sur le même rythme, on aurait 12 ou 15 versions différentes à maintenir. Maintenant, on n'en a plus qu'une. Ça nous a vraiment changé la vie. On est passé complètement en livraison continue et sans interruption. Du coup, on n'a plus besoin de prévenir le client quand on fait une release. C'est-à-dire qu'on fait des releases tous les 2 jours, tous les 3 jours. On prend la branche master, on l'envoie en prod globalement. Enfin, on passe par du dev, par de la pré-prod, mais globalement, c'est notre branche master qu'on release tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ça part en prod de manière complètement transparente pour nos clients. Et du coup, on n'a plus besoin de les prévenir et on n'a plus tout ce boulot de planification d'interruption de service qu'on avait à faire avant. Il y a un autre truc aussi, c'est que depuis, on a évolué vers une architecture microservice. Donc, on commence à avoir pas mal de microservices qui gravitent autour. Et le truc, c'est qu'on a des microservices qui sont critiques et des microservices qui sont moins critiques. Chez nous, tout ce qui va être critique, c'est tout ce qui va être relatif à la prise de commande, tout ce qui va être relatif au paiement. Donc ces microservices-là, on ne peut pas se permettre de les interrompre. Du coup, pour tous ces microservices-là, bah, on a mis en place tout ce process-là de montée de version sans interruption. Donc on décompose tout en plusieurs versions, ce qui est plus long, mais ce qui nous permet de le faire sans interruption de service. Et on a aussi des microservices qui sont moins critiques. Je pense par exemple à la messagerie. On a une messagerie entre un vendeur et un acheteur. Bah, si la messagerie, elle est down pendant 10 minutes, bah, les messages, ils arrivent juste 10 minutes plus tard. C'est pas très grave, c'est pas super critique. Et sur ces microservices-là, bah en fait, on se permet de le faire avec interruption de service. Donc le fait d'avoir découpé, ça vous permet d'avoir les deux possibilités. Là où on veut gagner du temps et là où c'est pas critique, on le fait avec interruption de service. Ça vous permet de minimiser un peu les risques et de minimiser un peu la charge mentale et d'être un peu plus productif. Et là où on a besoin, bah, vraiment de ne pas avoir d'interruption de service, bah, on met en place tout ce que je viens de vous présenter. Donc globalement, le retour d'expérience, c'est quand vous n'avez pas le choix, bah, faites-le, pensez à tout ça et essayez de le faire. Si vous avez le choix, bah faites des interruptions de service, vous allez aller plus vite. Mais on n'a pas toujours le choix et nous, on est dans un business où bah, sur certaines parties de l'application, on ne peut pas couper. Donc on a mis en place tout ça. Donc le constat qu'on a fait, parce que c'est un vrai challenge. Honnêtement, on savait que ça allait être compliqué quand on s'est lancé dedans. On ne pensait pas que ce serait si compliqué et qu'on essuierait autant de plâtre au début.
Maintenant, on a un truc qui tourne et ça vaut vraiment le coup parce que bah, de toute façon, on n'aurait pas réussi à scaler, on n'aurait pas réussi à gérer 200 clients comme on a aujourd'hui, on n'aurait pas réussi à gérer 600 ou 700 serveurs comme on peut avoir aujourd'hui. Si on n'avait pas eu tout ça, on aurait encore plein de versions applicatives, on se serait ingérable. Donc, on n'avait pas le choix, on l'a fait et au final, on est vraiment plutôt satisfait. Je vous ai mis quelques références ici, ces articles qui nous ont pas mal servi, qui sont bien foutus. Quand on a mis en place tout ça, on s'est pas mal documenté, on a lu pas mal de ces articles-là, qui expliquent un peu tous ces use cases-là concrets. Il y a une partie de ce que je vous ai présenté qui est tirée de ça, il y a une partie qui est tirée de bah, notre retour d'expérience là-dessus. Mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ces articles-là, ils sont assez bien faits. Voilà, on arrive à la fin du sujet. On va avoir un peu de temps, je pense, pour les questions, on est dans les temps. Ouais, on a un peu de temps pour les questions, super. Bah juste pour info, on recrute. Je vous ai mis le lien ici. N'hésitez pas, comme je vous disais, on ouvre un bureau à Bordeaux début avril. Donc si vous cherchez sur Bordeaux ou même sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous confronter à ces problématiques-là et à plein d'autres problématiques. Il y a de quoi faire, on cherche du monde, il y a plein de problématiques. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais, si vous avez des questions, bah je vous écoute. Ouais. Donc, ouais. Qui la mettent en pratique? Ouais, alors qu'on travaille. Là, le truc est à peu près stable. Du coup, on fait plus trop d'évolution pour l'instant, tant qu'on n'a pas de nouveau use case qui pop. Donc, je dirais que pour développer tout ça, tout ce qui est migration launcher, tous ces trucs-là, on était à deux personnes pendant. C'était pas un boulot en continu parce qu'on en itérait, mais je dirais que ça nous a pris entre 6 mois et 1 an, pas en temps plein. Maintenant, en termes de mise en pratique, on bosse en feature team, du coup, c'est toutes les équipes en fait, donc c'est tout le monde qui est confronté à ce problème-là. Du coup, c'est toutes les équipes qui mettent en pratique tout ça. Donc, ça impacte, enfin, nous, à notre échelle, ça a impacté tous les développeurs globalement. Y avait une autre question? Ouais. En termes de ouais, déploiement, comment c'est organisé? On le fait tout par pod de Jenkins chez nous. Tout est automatisé. On a une infra qui est en Kubernetes. Donc on fait du rolling update assez classique avec du Kubernetes. Et après, c'est les jobs Jenkins qu'on a codés du coup qui nous font bah, qui synchronisent tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on merge dans notre branch master, la V1, enfin la V2 par exemple. On va la déployer. C'est le job Jenkins qui va aller lancer notre migration launcher pour la phase de before deploy. Qui ensuite va aller faire le rolling update, enfin demander à Kubernetes en réalité de faire le rolling update sur chacun de nos pods. Une fois que tout ça c'est à jour, c'est toujours le Jenkins qui va aller relancer les scripts after deploy en appelant le migration launcher. Donc tout ça on l'a fait globalement à base de Jenkins. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a certains trucs qu'on a automatisés. Je parlais tout à l'heure, par exemple, la création d'index. Pensez à rajouter un drop avant. On a mis des tests dessus. On a automatisé certains trucs comme ça. On a automatisé aussi le fait de déployer l'application, de la rollbacker et de vérifier que ça se passe bien. Donc, en jouant quelques tests dessus, des cas passants pour vérifier que quand tu es dans les versions transitoires, au moins les cas passants fonctionnent. On a essayé d'automatiser un maximum de trucs qu'on pouvait automatiser. En réalité, je pense qu'on peut encore en automatiser plus. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a référencé un peu les use cases sur lesquels on est déjà tombé. Bah, ce qui est un peu ce que j'ai remis dans ces slides-là sur certains trucs. Tous les pièges sur lesquels on est tombé, on a essayé de les référencer, on a essayé de les diffuser un peu aux équipes pour justement qu'ils ne retombent pas dans les mêmes panneaux que nous on est tombé. Il n'y a pas, je pense, de solution miracle. Il faut prendre du temps, faire de la code review. On fait beaucoup de code review sur tous ces trucs-là. On a systématisé, par exemple, dans toutes les PR, le fait de demander une description du plan de migration dans toutes les PR. C'est-à-dire que le développeur qui fait la V1, la V2, la V3, bah dans chacune des PR, il va expliquer là, je suis dans la V1, cette version-là, elle écrit, mais elle lit pas, ou inversement, elle fait ça, et le plan de migration, c'est tout ça. Ça permet à celui qui fait de la relecture bah, de vérifier que la logique est respectée, que tout va bien. Mais c'est dur de tout automatiser, donc il y a un aspect où faut sensibiliser tout le monde et essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne bien les mécanismes. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Ouais, non, c'est un truc qu'on aurait pu automatiser. Enfin, clairement, c'est ça fait partie des améliorations qu'on peut encore faire sur le truc. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, complètement. C'est des trucs qu'on aurait pu faire. Après, il y a quand même pas mal de use cases. Par exemple, quand tu crées un index sur une table qui est vide que tu viens de créer, bah, tu n'as pas besoin de le créer de manière concurrente. Il y a ce genre de trucs qui font que tu as toujours des petits use cases qui font que ça devient vite compliqué. Mais effectivement, ces améliorations-là, c'est clairement des trucs qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais qui sont envisageables. Ouais. Ouais, clairement. Tu parles de monter les versions des bases par exemple? Ouais, ça pour le coup c'est des trucs qu'on est obligé de faire avec interruption. Donc pour le coup ça on est toujours obligé de le planifier. Ce qu'on fait c'est qu'on essaie de le faire par lot. Il y a plusieurs trucs, c'est que déjà on est arrivé à une taille de boîte où on est un peu plus gros acteur sur le marché que ce qu'on était avant. Donc on a un peu plus de poids pour fixer des interruptions de service que ce qu'on avait avant. Quand on avait deux clients et qu'on était tout petit, bah, les clients ils rigolaient quand on leur disait qu'il fallait qu'on coupe le service. Là, ça se passe déjà un peu mieux parce qu'on est un peu plus crédible. Mais il y a certaines maintenances de base de données, dont les montées de version, où on est quand même obligé de faire des micro-coupures. Après, ça va assez vite. Monter Postgres de 9.5 à 11, on a fait des tests, ça va pour le coup assez vite. À partir du moment où tout le boulot préliminaire a été fait sans interruption, mais on peut quand même pas se passer complètement des interruptions de service. Ouais. Sûrement, sûrement. C'est possible qu'on ait moyen de faire mieux. Sur les tests qu'on a fait, ça allait assez vite. On coupe, pour le coup, en fait, on planifie les interruptions de service en fonction des time zones des clients. Et du coup, on se permet de couper à des heures. On vient la nuit s'il y a besoin de venir la nuit pour couper les serveurs français. On vient, enfin, on le fait dans la journée pour les serveurs américains, par exemple. On ne s'est pas penché. Enfin, le problème pour l'instant chez nous n'est pas suffisamment important pour qu'on investisse plus de temps que ça dessus. Mais il y a sûrement des solutions qu'on n'a pas encore étudiées, ouais, pour le faire. Alors, nous, notre infra telle qu'elle est découpée, on a une notion de ce qu'on a appelé client group. Un client group, en gros, c'est bah, tous ceux qui partagent la même instance de l'application. Ils ont des bases de données, par contre, qui sont monotenant. Donc, chaque client a sa base de données. Par contre, les web serveurs sont mutualisés. Du coup, en fait, on a des client groups différents suivant les régions. Donc, on a des client groups aux États-Unis, on a des client groups en France. Et du coup, les migrations, on les fait client group par client group. Du coup, c'est chaque client group qui est monté indépendamment l'un de l'autre. Donc potentiellement, tu peux avoir les États-Unis qui ont une version d'avance sur la France. Par contre, on essaie de faire en sorte de les faire, enfin, on les fait de manière sérialisée. S'il y a un problème sur un, on s'arrête pour pas déployer des problèmes partout. Mais on n'a jamais deux versions d'avance sur un client group. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas monté un client group, on ne monte pas les autres, quoi, globalement. Ouais. 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 Ouais, complètement. Ce qui est mieux que ce qu'on avait avant, parce qu'avant c'était 3 mois, vu qu'on faisait une release tous les 3 mois. Du coup, là, on est passé à ouais, une fonctionnalité, on est capable de la déployer quand c'est comme ça, on est capable de la déployer en 1 semaine à peu près. Ouais. Ce qui n'est pas encore parfait. On pourrait se dire qu'on enchaîne les versions plus rapidement, mais on retombe un peu dans les travers que de ce qu'on avait, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est que. Bah, on s'empêche la possibilité de rollback, parce qu'à partir du moment où tu montes 3 versions, bah en fait tu peux rollback qu'à la version N-1. Et on retombe dans les problématiques où potentiellement on préfère faire tourner les versions un tout petit peu plus longtemps, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de problème, avant de passer à la suivante. Mais ouais, on est arrivé à un délai d'une semaine, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, mais il y a certainement moyen d'améliorer encore un peu ça. Ouais. Après, toutes les features ne nécessitent pas non plus des interventions en base de données. Et tout ce qui est pas bah, tout ce qui touche pas la base de données, dès que c'est sur master, potentiellement on peut l'envoyer tout de suite. Donc, mais ouais, en termes de délai, on est sur un truc en 3 versions, on est sur 1 semaine à peu près chez nous. Ouais.
C'est une bonne question à laquelle je m'attendais un peu. Non, il n'est pas open source encore. On l'a, comme je disais au début, on a fait pas mal d'itérations dessus. Le code était un peu dégueu au début, on l'a pas mal nettoyé parce que maintenant il sert en prod, donc on a fait un truc propre. Il y a encore un peu de spécifique Miracle dedans, un peu de spécifique à, notamment au client group dont je parlais tout à l'heure, à la façon dont notre infra est structurée. C'est pas exclu qu'un jour on l'open source. Pour l'instant, déjà, on voulait vraiment faire à la base faire un prototype, le faire tourner, voir comment ça marchait. Là, on l'a rendu production ready. Ce serait bien qu'un jour on fasse l'effort de virer tout ce qu'il y a Miracle dedans, tout ce qui est spécifique Miracle, de le rendre plus générique et de l'open sourcer. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais c'est pas exclu. Peut-être qu'on le fera, ce serait bien qu'on le fasse, ouais. Pas d'autres questions? Eh ben merci.